Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau live sur ma chaîne Twitch, c'est Barbatronic et ce soir on va parler électronique. Alors... Euh, vous avez peut-être remarqué déjà deux trois petits trucs, c'est que bon, bah déjà, je suis encore sur Twitch. Euh, J'avais dit qu'on continuerait d'essayer parce que finalement la plateforme me plaisait bien et ça fonctionnait pas trop mal. Euh, les gens arrivent déjà sur le chat. Le Salut Kamikaze51, euh, bienvenue à toi. Et, euh, et oui, du coup, ça, voilà, sur, sur Twitch, ça a l'air de plutôt bien fonctionner. J'aime bien les fonctionnalités offertes par OBS, donc on va rester là-dessus. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je n'ai plus Hop. mon filtre anti-pop. Voilà, je l'ai enlevé. Euh, J'ai rajouté une bonnette. Euh, parce que, en fait, euh, la semaine dernière, vous avez peut-être vu que je, le filtre anti-pop me gênait pour bosser. Et euh, je pense que je serai vachement moins gêné euh, ce coup-ci pour, euh, pour parler et puis euh, pour euh, tripoter mon, mon clavier. Donc ça, c'est plutôt cool. Euh, Salut Alex! Ah, t'as eu la notif ce coup-ci. <laughs> la semaine dernière, tu l'avais eu un peu tard, si j'ai bien compris. Euh, donc, plus de filtre anti-pop. Et ensuite, j'ai fait l'acquisition d'un truc euh, vraiment trop bien. Euh, vous vous souvenez peut-être au, dé au début de mon dernier euh, live, j'avais eu des soucis avec mon Canon 550D qui était censé filmer mon bureau. Pour faire des, des manipulations, vous montrer des choses sur un tableau. Et, euh, et là, euh, l'application a décidé de me laisser tomber euh, la semaine dernière. Et ce n'est pas la première fois que ça arrive, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois en live. Euh, des fois, vous l'avez vu, des fois, vous ne l'avez pas vu. Euh, et c'était un vrai souci. Du coup, euh, j'ai cherché une solution euh, pour avoir autre chose qu'une webcam, parce que je ne suis pas super content de la C920 que j'utilise là actuellement pour me, pour me filmer. Je trouve que les couleurs sont un peu palottes et enfin bon c'est un peu un peu compliqué. Euh, mais par contre j'ai des boîtiers, euh, des appareils numériques, des réflexes. j'ai une GoPro et j'ai décidé de me commander ça. Voilà un Camlink. Et c'est un, euh, un petit bijou quand même parce que c'est pas donné, ça coûte environ 120 euros. Mais ça transforme un flux euh, HDMI euh, en, bah, en flux vidéo lisible par OBS euh, en euh, USB 3. Et c'est juste tellement magique, euh, vous imaginez pas, vous le branchez, c'est reconnu directement. Et ça me permet du coup d'avoir. Une Nouvelle vue ici, beaucoup plus fluide. Regardez, je peux vous montrer des choses très près sans que ça fasse de zoom. Regardez, je peux, même, je, peux, je peux vous montrer des composants électroniques que je ne pouvais pas faire avant. Bon, faut pas déconner non plus, je peux pas zoomer à fond, mais c'est tellement, tellement mieux. Alors par contre, le cam link est en train de faire. ah attendez, hop, ah, il y avait un double son, je l'avais pas vu, je l'avais pas vu. Euh, normalement c'est bon vous devriez plus avoir le double son euh, en écho du cabling et donc je peux vous montrer voilà des composants de près je peux dessiner ici des, des, des oulis dessins, voilà et donc, c'est très très bien, c'est très très bien. Ça va nous changer la vie euh, quand même sur ces lives, euh, ce, petit, euh, ce petit composant. Euh, et ce qui est rigolo, c'est que je l'ai mis en place euh, ce soir, <laughs> mais je crois qu'on l'utilisera pas beaucoup parce que ce soir, on fait de, euh, du circuit imprimé et on continue le projet qu'on avait commencé la dernière fois, qui est le mat balise pour le robot de la Coupe de France de robotique. Alors, le temps que Fusion euh, démarre, parce que je vais en avoir un petit peu besoin. Voilà. Ok. Ok. Alors... Ah. Oula. Oula, oula, oula. Mon PC a décidé de ne pas vouloir lancer Fusion. C'est pas grave. Le temps que ça se démarre. Hop, on va repasser sur le bureau. Euh, Kamikaze Evolutech. Ah <laughs> Ah oui, bah, euh, ouais, comme ça au moins je sais de quelle équipe tu es euh, du coup. Euh, voilà, donc nous revoilà sur Eagle, là où on s'était presque laissé euh, la semaine dernière. Alors est-ce que Fusion a décidé. Ouf. Alors attendez, qu'est-ce qui se passe End octobre, save up to of every. Ah mais on s'en fout, ça c'est des pubs. Des pubs dans mon logiciel de CAO. Ouais, incroyable ça. Alors, on va réouvrir le map balise. Alors j'ai fait plusieurs choses déjà, entre les deux lives. J'ai repris le fichier 3D du map balise que j'ai pas changé. Euh, et voilà, donc on se souvient, hein, c'était euh, ce petit map balise avec euh, hop, nos capteurs au-dessus. Donc on gardait exactement le même fonctionnement que les années précédentes, juste on le rendait beaucoup plus efficace. Euh, histoire d'avoir quelque chose qui fonctionne très bien pour la prochaine coupe et qu'on changera peut-être en cours de route, mais au moins on aura un truc qui fonctionne correctement. J'ai également réalisé les plans PDF de l'ensemble des découpes et notamment des pièces euh, en euh, pliage. Euh, voilà, donc du coup, hop, voilà l'ensemble des pièces. Alors juste il y a deux fois ça et deux fois ça à découper et on voit aussi les marques. Pour le pliage qui va m'aider à faire mon pliage à chaud après avec ma plieuse euh, donc ça c'est vachement bien donc j'ai pas pu encore les découper au laser je vais essayer de faire ça demain si je peux euh, tu peux usiner à la cnc avec fusion tout à fait tu peux usiner tout à fait à la cnc directement avec fusion enfin alors directement avec fusion attention on tourne bien euh, fusion va te générer euh, le fichier de cam de, euh, de comment dire pour pouvoir euh, après piloter ta machine donc ça veut dire que tu auras ton Machine, ton, ton, ton G-code euh, qui va être généré par Fusion en utilisant euh, l'outil, euh, attendez que je dispense de manufacture, voilà, que j'ai utilisé il y a très longtemps quand il avait été euh, la première euh, la première fois où il avait été euh, lancé, euh, donc euh, qui n'était pas hyper optimisé. Et euh, donc en théorie, tu es euh, capacité, c'est même pas en théorie, c'est que tu peux générer euh, tes fichiers euh, G-code à partir de, euh, de Fusion. Alors, j'ai pas du tout regardé absolument pas ce qui se faisait maintenant euh, j'ai un collègue qui s'y est penché euh, très bien là cette dernière semaine et qui a fait qui a commencé à faire du fraisage avec notre shopbot donc notre fraiseuse grand format euh, et il en est pour l'instant très content euh, donc donc voilà donc j'y regarderai peut-être assez rapidement euh, un truc moi qui m'intéresse alors euh, je sais pas si c'est euh... Si c'est visible là, non, non, c'est que en fait, on, on, peut, pas, on peut aussi faire euh, du de la découpe laser. On peut, faire de la, on peut générer des fichiers G-code pour la. Ah ben c'est là en fait, je suis bête. Euh, donc milling, ça c'est euh, fraisage, turning, ça c'est bah, tournage, additive, et eh ben on peut faire du euh, de la fabrication additive a priori. Ouais, je découvre avec vous. Probing, ça c'est pour euh, ben, en fait prober, euh, mesurer en fait une pièce la scanner en fait mais par contact fabrication à ah, cutting de des ah ben voilà donc on peut faire des choses autour de la découpeuse laser et nous ça nous intéresse énormément parce que en fait au fablab on utilise un, un logiciel qui s'appelle laser cut qui est un truc infâme euh, bon qui fonctionne mais qui est pas dingue et qui a tendance à planter enfin c'est l'horreur en plus qui fonctionne avec un dongle euh, bref et donc essayer de générer du G-code directement depuis fusion sans avoir à passer par euh, je prends mon, mes pièces, je fais un export PDF, je vais après dans un logiciel vectoriel, en l'occurrence Inkscape, je transforme euh, ce truc-là en DXF que je remets dans Final Cut, euh, dans, Final Cut dans, euh, dans Laser Cut, ça nous simplifierait énormément la vie. Bref, euh, donc c'est vraiment quelque chose qu'on va regarder euh, par la suite. Mais qu'on a un peu laissé de côté là pour le moment parce que bah voilà, on fait uniquement du, du milling pour l'instant, on va déjà tester avec ça. Mais la laser, la fabrication additive directement dans Fusion, ça c'est quand même un truc qui est hyper intéressant pour nous. Ben, je ferai peut-être un, peut un live hein, pendant l'année sur ça, parce que j'ai une shapeoko euh, à côté euh, qui me permet en fait, de fraiser euh, du, du plastique. Euh, enfin, nous permet de fraiser. J'utilise pour fraiser du plastique, mais on peut fraiser de manière générale. Et euh, j'aimerais bien pouvoir générer mon G-code à partir de fusion avec euh, ma, ma shapeoko Donc ça sera, à mon avis, je reviendrai dessus euh, un jour, forcément. Bref. On a ce petit. Alors, on a tout ça. Euh, je voulais le découper aujourd'hui. j'ai pas eu le temps. Enfin, le montage ce soir. Mais c'est pas grave. On a du boulot sur la carte électronique. Carte électronique qui est ici. Voilà, qui est restée dans sa phase euh, comme la semaine dernière. Où on n'avait pas fait grand-chose. Parce que, euh, et ben en fait, justement, euh, je n'avais pas décidé de ce que je voulais mettre sur la carte. Et donc, je vais vous expliquer ce que j'ai finalement décidé euh, maintenant. Alors, il y a deux questions. Ouh là, là, Attendez. Alex qui me dit, j'ai essayé avec le CNC, ça marche plutôt bien, même si c'est un peu long de savoir quelle opération faire pour avoir sa pièce. Alors ouais, c'est ce que mon collègue me disait, c'est qu'il faut quand même connaître un petit peu le fraisage, euh, parce qu'il y a certains termes, certaines fonctionnalités qu'on ne comprend pas forcément euh, bien, euh, et Fusion a tendance à générer des, euh, des, des, comment dire, des solutions de fraisage euh, qui ne sont pas euh, implicites euh, quand on démarre, euh, mais qui sont efficaces, qui sont quand même efficaces. Cas euh, qui me dit euh, nous on fait toutes les découpes à la CNC une Charlie robot on peut seulement générer G-code depuis Katia euh, vous pouvez seulement générer les G-code depuis Katia mmh. Bah écoutez, regardez un petit peu quand même euh, ce qui se fait sous fusion, parce que Charlie Robot, de mémoire, c'est un G-code qui n'est pas... Enfin, euh, il n'y a pas grand-chose de différent d'autres G-codes. Peut-être que ça peut tourner avec un G-code standard, et peut-être qu'il y a des gens qui ont déjà fait euh, la... Euh, comment dire le profil machine euh, pour euh, le poste, le, le, le post-processeur voilà euh, pour la peau de la machine et que vous pourriez euh, l'utiliser dans, 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 dans Fusion. Ça, ça pourrait être intéressant pour vous, à mon avis, hein, parce que euh, bon, euh, euh, voilà, ça, ça peut. C'est bien d'avoir plusieurs logiciels pour générer des, 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 des choses. c'est On n'est pas bloqué. Une histoire sombre de licence pour les fichiers post-pro pour générer du. Ah, donc il y a quand même, il y a quand même un truc. Il y a quand même un truc. Alors pour euh, juste pour rigoler, euh, tous les gens que je connais qui ont une Charlie Robo, ils ont. Euh, parce que Charlie Robo, c'est juste une fraiseuse avec des, des, des moteurs pas à part. Hein. Donc, euh, ils ont dégagé le contrôleur. <laughs> ils ont pris leur contrôleur à eux. Ils ont fait euh, leur code. Et maintenant, ils pilotent leur bécane comme ils veulent. Euh, fraiseuse fusion. Ouais, je l'avais vu euh, celui-là du, du Funlab. Euh, Lab dont j'ai rencontré la. La, la femme managers euh, la semaine dernière d'ailleurs. Euh... La recherche Google la plus rapide du monde. <laughs> bon, c'est pas tout ça là. On avait dit qu'on faisait de l'électronique. Ah là, vous me lancez sur du fraisage. Ça, c'est pas euh, ça pas sympa. <laughs> non, mais on reviendra sur le fraisage. Moi, je me formerai un petit peu sur, euh, sur Fusion aussi là-dessus. Et euh, de toute façon, je vais, je vais y venir euh, fatalement avec ma, ma bécane. Donc, ma carte électronique. Alors, euh, ben tu fraises bien tes cartes électroniques Alors, oui, mais je n'utilise pas du tout euh, Fusion, euh, ni un logiciel de cam enfin, euh, standard. J'utilise un logiciel spécifique euh, pour euh, fraiser les, les, cartes, euh, les cartes électroniques que je n'ai pas là sur, le, sur mon PC, malheureusement, qui s'appelle Bantam, qui est lié à ma fraiseuse de circuit, euh, qui n'est pas ma Chepoco, qui est une fraiseuse particulière. Euh, je te laisserai regarder sur mon live sur la Fab Academy, mais, euh, mais si je vais vite fait, euh, voilà. voilà. C'est cette bécane là que j'utilise moi pour fraiser les, les cartes, et donc avec un logiciel un logiciel spécifique. Je ne sais pas si on le voit là. Euh, non, on ne va pas le voir. Je pense qu'on ne le verra pas. Non, on ne le verra pas ici. Donc, euh, oui, dans le, mes proto de cartes, je les fraise euh, avec, un, voilà, avec cette bécane-là qui est pas, qui est une bécane qui, qui est faite pour quoi Qui est spécifique. Bref. Euh, ouais, et pour finir là-dessus, le Elgato, ça fait le café. Le Elgato, ça fait le café. On n'est pas encore assez fatigué pour faire des bonnes blagues. Alors, on passe sur la carte électronique. Tu peux me rappeler le type de PCB que tu recommandes pour fraiser du FR1 euh, c'est bien pour faire du proto et ça use pas les fraises. Voilà, c'est du carton en fait, basiquement. Contrairement au FR4 qui est euh, un, un plastique, j'ai oublié le nom, euh, un, une résine quoi en fait. Voilà. Et du FR1, tu en trouves, faut pas faire de pub chez, euh, en Europe chez RoboShop. Euh, pour l'instant, il n'y a, y a qu eux que que j'ai trouvé qui le faisaient, alors peut-être que depuis il y en a d'autres qui l'ont fait. On va parler de fraisage toute la nuit. <laughs> non mais d'accord, ok. Bon Du coup, on, on, va, on va partir sur la chapoko et on va pas du tout faire de, de, de carte électronique. J'ai besoin de faire cette carte électronique. Donc faisons cette carte électronique. Euh, alors, je vais l'ouvrir. Ok, alors par contre je vais ouvrir la board directement. Voilà. Alors la semaine dernière, euh, j'ai dindonné toute la soirée euh, parce que je ne savais pas quoi mettre sur cette carte. Euh, pour vous rappeler, on a un moteur, euh, un servomoteur sur cette carte. Euh, alors, l'idée de, 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 de cette base, c'est d'avoir quelque chose qui soit très simple à, à produire et très facile à, à fabriquer, à utiliser. Donc, j'utilise des technos qui sont vraiment euh, cheapos, mais c'est fait pour. Euh, donc, on avait le servomoteur qui permettait de faire tourner euh, le mât. Voilà droite comme ça donc on a besoin de piloter ça on va avoir un, un retour position en chopant le signal du potentiomètre dans le cerveau moteur pour pouvoir savoir à quelle distance euh, à quel angle pardon on détecte euh, un objet on a euh, des capteurs réflectifs opb 720 de chez optech euh, qui sont montés ici qui ont une distance de, de détection fixe et qui ne détectent Justement, l'idée c'est de détecter uniquement les balises réfléchissantes qu'on pose sur l'adversaire. Euh, c'est du tout ou rien, on renvoie ça, on en a un avant, un en arrière, voilà, et on renvoie ça sur la carte, et en fonction de ça, on détecte quelque chose à une certaine distance, à un certain angle. Salut Alex Beaucoup trop d'Alex ce soir. Euh, vous êtes que deux en fait. <laughs> voilà, donc, système relativement simple. Et, euh, et, et en fait je savais pas trop quoi mettre sur cette carte, parce que je savais qu'elle devait piloter les cerveaux, mais je voulais pas me limiter à uniquement une carte qui pilote le cerveau, ça j'avais fait l'année dernière. Euh, et, en, et finalement en réfléchissant, euh, je me suis dit que de toute façon il fallait que je fasse une carte pour pouvoir tester des choses. Euh, donc une carte euh, très simple, sans se prendre la tête, en, voilà, avec des gros composants, euh, des trucs euh, bateaux basiques euh, qui ne coûtent pas cher. Euh, bah pour tester plein de choses. Euh, voilà, j'ai décidé ça de, euh, hier, hein, hier soir. Hein. Et, euh, et du coup, j'ai euh, commencé à faire euh, cette carte euh, qui me semble très bien. Tu peux traiter les points avec un UC. Ouais, bah c'est justement ça, l'idée, c'est d'avoir un petit microcontrôleur. Voilà, j'ai fais très simple, j'ai pris un Arduino Micro. Voilà, J'aurais pu prendre n'importe quoi d'autre, mais l'Arduino Micro va bien m'aller là pour le coup. Vraiment, c'est la carte du on se prend pas la tête. On fait un truc comme ça, on peut regarder et effectivement, comme tu dis, euh, 15 de faire un faire un, un, un radar. Euh, autre chose, euh, j'ai commandé des alors j'ai toujours un doute VL53L0X. Attention, est-ce que je me suis pas trompé? VL53L0X. Oui, parce que je pense que c'est la première fois de ma vie que j'appelle le nom hein, correctement. Je sais pas pourquoi moi je dis toujours des VDXL alors que pas du tout. Euh, qui sont des petits capteurs euh, laser ou pas, euh, time of flight qui fonctionnent avec un bus I2C. Euh, Alex Ness euh, connaît et chez Evolutech vous connaissez aussi. <laughs> euh, en fait, l'idée c'est de pouvoir monter euh, ces capteurs avec une bague d'adaptation euh, ici euh, et de pouvoir les relier également sur la carte. Voilà. Donc, l'idée c'est de faire quelque chose de très très euh, avec lequel on va pouvoir travailler. Et donc, Qu'est-ce que j'ai intégré euh, Bonne idée les VL53. Alors Alex lui il a une de mémoire. Hein, tu me dis si je me trompe. Euh, tu as un proto de mat balise qui est un proto euh, tournant avec des VL53 et euh, Evolutech, vous avez un, ouais, un design de mat balise avec 16 capteurs donc c'est non tournant fixe mais 53 capteurs respect. Euh, 16 capteurs pardon 53 mon dieu euh, 16 capteurs. Et, euh, et donc voilà. Donc euh, j'ai l'impression que c'est un capteur qui est quand même bien bien euh, utilisé à la coupe, qui a l'air d'être euh, efficace. J'aurais une question quand même euh, sur euh, ceux qui l'ont déjà utilisé et après on se lance vraiment sur la carte. Euh, Est-ce que l'utilisation d'une balise réfléchissante change quelque chose à la distance de détection Je m'explique. Si je pose une balise de détection sur un robot, une balise réfléchissante sur un robot, telle que euh, celle que j'ai euh, là-bas. Voilà. Telles que ces balises là, est-ce que je détecte plus loin Ça m'intéresse parce que si je détecte plus loin, euh, l'idée ce serait de discrétiser euh, le, enfin, en tout cas de, de faire en sorte que je ne repère que ces balises là avec ce capteur. Voilà, c'est une question que je me suis posée. Comme je ne ai pas encore essayé, je pas encore véritablement, je ne suis pas encore véritablement renseigné. Donc, si vous avez la réponse, ça m'intéresse. Euh, euh, voilà, donc ça, ça pourrait être intéressant de mémoire, je pense pas, mais non. ça c'est dommage, c'est dommage parce que du coup ça pourrait être vraiment chouette. Ça améliore, améliore la réflexion, mais euh, quand on parle de time of flight, je pense que, que c'est mort. Enfin, c'est ce que, ce que j'avais compris du système en fait. Donc, euh... Alors on, en, on reviendra dessus. Qu'est-ce qu'on trouve sur cette carte Eh bien, au milieu, notre Arduino micro euh, avec son alim, tout ça, tout ça. Reported range is independent of the target reflectance. Ah zut Ah tu vois, j'ai même pas été jusqu'à lire la datasheet hein, pour te dire le niveau <laughs> zéro d'information que j'ai pris encore sur ce capteur-là. Donc, euh, mais donc du coup, c'est mort. Bon, bah c'est pas grave, on essaiera quand même avec d'autres trucs. Euh, moi, ça m'intéresse quand même de l'essayer, ce capteur, il a l'air quand même relativement chouette. Alors, on a notre Arduino Micro, je disais. Ensuite, on va avoir un connecteur 4 points pour le cerveau. Alors, pourquoi 4 points Parce que généralement, c'est quand même 3 points un cerveau. On a le signal, la masse et le 5 volts. Et là, en fait, je rajoute le signal d'orientation qui est le signal provenant du, euh, du potentiomètre. Voilà, donc je fais un câble spécifique pour mon cerveau moteur. Ensuite je vais avoir mes trois câbles, euh, mes deux câbles pour mon capteur avant et capteur arrière, avec euh, bah, l'information capteur avant, capteur arrière, euh, et puis l'alimentation plus 5 volts GND. Très bien. Ensuite, qu'est-ce que j'ai mis euh, J'ai mis... Alors pourquoi j'ai mis ces sorties-là, capteur avant de sortie, capteur arrière-sortie et orientation sortie Tout simplement euh, parce que euh, sur la carte de pilotage du robot. Actuellement, on utilise directement les sorties des capteurs et les sorties d'orientation. Donc je me laisse la possibilité de pouvoir sortir, de faire un pass-through en fait, euh, des, des, des informations euh, du, des capteurs et de l'orientation pour pouvoir les envoyer directement à la carte comme ce que je fais habituellement. Voilà. Donc ça me permet de faire soit comme j'ai toujours fait avec le même code comme il y a euh, depuis 5 ans, euh, soit de pouvoir faire autre chose si je le souhaite et Traiter un peu mieux mon signal. En tout cas, je me laisse cette possibilité-là. Ensuite, euh, bah pour les VDXL, euh, VDXL, vous voyez VL53L0X, euh, les capteurs laser. <laughs> euh, trois prises I2C, de euh, donc deux pour chaque capteur et euh, une parce que potentiellement j'aurais besoin d'envoyer de, des informations à, au microcontrôleur. Donc pourquoi pas euh, des euh, résistances de tirage, euh, je les mets, je les mets pas. Ça va dépendre de euh, comment est mon, euh, et mon réseau et mon bus, mais en tout cas, c'est possible. Je pense que tu dois utiliser un JPEO par capteur au démarrage pour les démarrer. Ah oui, merci, euh, effectivement, effectivement, diantre. Alors, on se le garde en tête, et on va modifier ça. Euh, L'adresse des capteurs, c'est reset quand ils sont plus alimentés, il faut la configurer un peu. Oh Sérieux Ok Ok, d'accord. Ah oui, du coup, euh, j'imagine que la broche permet euh, de lui dire euh, « Attention, euh, je, vais te, je vais te configurer, euh, les autres, euh, je vous parle pas, je t'envoie euh, une adresse, et puis euh, les uns à la suite des autres, comme ça, avec un, avec une, un cycle, j'éteins, j'allume, j'attends, j'allume, j'éteins, pendant un certain temps, quelque chose comme ça. » Mon Dieu, ok, d'accord. Euh, donc, je vois, je vois l'idée. Euh, donc, ça veut dire qu'il faut que je passe sur un 5 euh, un connecteur 5, ou que je rajoute une autre pinoche quelque part. Ok, on se garde ça en tête, je finis le, le circuit, et, euh, et on reviendra dessus après. Il y a une pile en plus pour avoir une interruption configurable. Hmm. Ok. C'est quelque chose que vous utilisez beaucoup, ça Bah ben Oui, j'imagine que oui, parce que du coup, ça, ça me permet de dire euh, à une certaine distance, tu, euh, tu me génères une interruption, quelque chose comme, quelque chose comme ça. Pratique pour l'évitement d'urgence, ouais. Ah, deux sons de cloche. Ça voudrait dire que je dois rajouter, en plus du SDA et du SCL, euh, une pin pour le... Une... Deux pins par, 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 par capteur, quoi, du coup. OK. Attendez, je regarde déjà si c'est faisable. SDA, le SCL, le GND, là j'ai une patte 5. Euh, là ça va être trop relou, je peux pas faire... Ah, j'ai 12 13 poète, 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 on peut les déplacer. Bon. Ça me semble pas complètement impossible. L'orientation c'est forcément du A8. Euh, et ça, capteur avant-sortie, ça c'est juste du on-off. Non, ça j'ai besoin que ce soit du PWM, donc ce sera juste l'inverse. Ok, bon, ça va, ça peut se faire. On peut s'en sortir. Ah oui, non, deux par capteur. Ouais. Ok, alors attendez, on finit. Alors, je me suis rajouté une petite connexion série, on ne sait jamais. J'ai rajouté euh, trois euh, potentiomètres. C'est peut-être là-dessus où on va, euh, va peut-être en enlever un. Euh, L'idée, c'est de pouvoir modifier en fait des paramètres directement depuis euh, la balise sans avoir à euh, toucher le code. Je trouve ça assez, euh, assez chouette de se dire hop, on triture euh, une vis sur la balise pour pouvoir changer euh, certains paramètres. J'aime bien. Euh, et, euh, et puis, des LED d'état. Donc, euh, la LED d'alimentation. D'ailleurs, je vais peut-être Peut-être me rajouter une LED pour savoir si c'est branché aux 24 volts. On verra ça après. Euh... On va le faire tout de suite parce que je vais oublier. Hop, parce que hier, du coup, j'ai rajouté ça. Euh... Oula, copie groupe. Hop. Et voilà, ok. J'ai une LED pour le 24. Magnifique. Euh, une LED pour indiquer qu'il y a eu une détection avant, une LED pour indiquer une détection arrière, et une LED émite 1 qui ne me sert pas pour l'instant, mais qui pourrait me servir par la suite pour envoyer des informations, euh, clignoter, savoir qu'il y a eu une erreur, j'en sais rien. Pour l'instant, euh, je me laisse la possibilité de rajouter des petits trucs. Et donc, un connecteur puissance pour alimenter tout ce bazair. Euh, on passe à travers euh, un fusible réarmable, le... Euh, oh, d'ailleurs... D'ailleurs... Bon, d'ailleurs, ça, c'est pas terrible, ça. Hop, on va faire l'inverse. Hop. On va mettre le condensateur de découplage avant. Tac Ce composant est bizarrement fait voilà 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 je préfère ah oui, très étrange le composant n'est pas aligné sur la sur la grille voilà alors on passe dans un euh, dans un r78e5 qui est un composant de chez euh, ricom euh, qui est euh, un régulateur R78E5 qui ressemble un petit peu euh, à ce que ce qui se fait chez Traco mais en beaucoup moins cher euh, voilà 5 volts 5 watts qui est très très bien euh, voilà donc ça c'est plutôt cool avec un form factor intéressant euh, et puis le condensateur euh, en sortie de valeur un peu plus grosse, donc là j'étais parti sur du 470 microfarad, euh, j'ai oublié de le mettre hier. Voilà, et là ce qui est recommandé c'est du 10 microfarad, tant que je l'ai en tête. Voilà, grosso modo tout ce que j'ai sur la carte. Alors par contre, vous m'avez fait peur avec vos connecteurs en plus là, vous savez quoi eh ben, ces connecteurs là, on va les mettre sur les connecteurs à deux les, les informations supplémentaires pour les euh, pour les pour ces informations là. Les alors, on est, on est sur du civil. Tu conseilles quoi comme fusion? Alt quand tu bouges pour le réaligner. Ouais, j'ai pas j'ai pas l'habitude, euh, mais oui, il faut que je prenne cette habitude là. On la déjà dit. Euh, les RUEF chez nous, oui, pareil. Pareil euh, que Alex, Ruf. Euh, bon là, c'est un 300, mais euh, tu peux mettre ce que tu veux, mais les RUEF, moi j'utilise ça depuis des années, marche très très bien. Euh, J'en ai pas là, à proximité, mais... Euh, alors, RUEF. Euh, euh, Fuse. Voilà, ça ressemble à ça. Le genre de, de Coca-Cola. Euh, donc il y en a de plusieurs, euh, plusieurs capacités. Euh, ça dépend en fait ce que tu as en entrée. Ça dépend de euh, la puissance que tu veux, le temps euh, pendant lequel tu veux que ça fonctionne, etc. Donc tu as pas mal de, de courbes euh, différentes selon les, euh, les types de, de, de fusibles. Euh, et, euh, et puis après, bon, tu, tu choisis en fonction de, en fonction de tout ça. C'est relativement simple euh, à utiliser. Euh, et honnêtement, euh, moi, ça m'a déjà sauvé quelques cartes, quand même. Euh, donc, euh, donc, c'est quand même, c'est quand même pas, euh, pas trop mal. C'est alors, ouais, police Switch resettable, c'est ça. Voilà, PTC Resetable fuse. Euh, si jamais tu cherches exactement euh, le, le terme. Hop. Par contre, c'est assez gros. Euh... C'est assez gros et il en existe d'autres mais de, de capacité vraiment moindre. Je cherche où il est sur cette carte-là. Ça, c'est des cartes que je fais euh, pour, euh, pour le boulot. Euh, et le fusible, je ne sais pas si, tu, si on va le voir. Ah, finalement, on va s'en servir de cette webcam. Le fusible, il est juste là. Ici, là. Entre euh, l'interrupteur et la diode. Voilà, c'est le petit paquet euh, noir là. là c'est tout petit, mais alors euh, par contre, euh, c'est euh, très très fragile. Euh, et c'est vraiment pour euh, des alimentations, genre euh, pour protéger un, une entrée USB ou ce genre de choses là. Par contre, j'ai plus du tout euh, l'information. Alors, on a un fusible en verre, donc tu feras pas plus gros. <laughs> alors, as, vous avez un fusible en verre Nous, on a un fusible de bagnole sur la batterie. Euh, avant, on a, le, euh, comment on a le, notre, notre batterie, euh, connecteur, fusible de manuel, connecteur, et après notre carte avec euh, notre arrêt d'urgence. Donc, euh, c'est un peu, un peu la violence aussi. Et évidemment, les policiers sont à mettre à côté de vos dissipateurs thermiques, ça protège mieux les cartes. <laughs> mettez les condensateurs le plus près des trucs qui chauffent, c'est une bonne idée. <laughs> Alors, bon, donc vous m'avez dit euh, des. Euh, ah, il me faut deux entrées supplémentaires, ou en tout cas au moins une par, par connecteur. Bon. J'utilise 5 pins pour faire marcher mes VD, donc si tu n'as pas 7 pins pour en brancher 6, ça va tout de même marcher. De toute façon, c'est des pinoches sur lesquelles on n'a pas euh, beaucoup d'attente. Euh, ah, si, peut-être de l'interruption. En vrai, le machin, il va rien faire. Hein. Le microcontrôleur, il va rien faire. Il va tourner euh, juste pour ça. Donc, qui est interruption ou pas, à mon avis, euh, ça changera pas grand chose. Je pense. Euh, mais de toute façon, je vais quand même avoir un problème, c'est que il me reste la pin, la pin 2. Donc la... Ouais, là, ouais, celle-ci là. RX LED, je suis même pas sûr que je puisse l'utiliser. SS, il faut que je regarde sur le... Il me reste la 7 et la 8. Et sinon, ça veut dire qu'il faut que j'ampute. Il me reste la 6, la 8, la, la, la 7, la 8. Et la, la patte A5. Dommage, la A5, c'est... Euh... Le, le composant va vraiment faire que ça. Hein. J'ai vraiment un doute sur l'interruption. Tu peux remonter l'interruption au-dessus. Au-dessus. <laughs> à quel endroit? Que haut niveau réagisse plus réagis, vite. Oui, oui, oui. Ah oui, oui. oui. Ah attends, au-dessus. Ouais. Salut King of Chauffe. Je vais quand même ouvrir une petite doc là sur le v, euh, VLX, VL53X, tout, tout ça, tout ça. Euh... C'est ça, hein? c'est le X Shutdown Reset. Un MTO de GPIO. Ok, non, info. Ah non, mais non, moi je veux le mon, mon copain. Resources. Merci. User, user manuel. Application Note. Application Note. Ah non, Download Data Sheet, je l'avais pas vu. Bonjour toi. Oh mon dieu. Ah oui, attendez, il n'y a que ça sur un VL53L. Ça vaut même pas le coup d'utiliser des cartes déjà faites, on peut se le souder soi-même en fait. <laughs> ah oui, c'est quand, quand même la folie quoi comme composant. Pas mal, pas mal, pas mal. Au dessus. Carte mère, je suppose. What Ah oui. Ok. Ah, firmware state machine, ça c'est intéressant. Donc, power off, ok. Standby, initial boot, ok. Standby. Ah oui, d'accord. ok Avec l'utilisation du shunt pour pouvoir revenir... Ok, justement, j'ai fait une calibration flow, d'accord, oh, la doc n'est pas trop mal foutue, hein. je, lis, je lis en travers, hein, parce que c'était pas l'objectif du, du live de ce soir, mais ça c'est le power boot, off, stand then boot, ok, ah oui, et puis si jamais, hop, d'accord, ok, ok le microcontrôleur ne fait que ça, ça devrait aller au niveau de latence, surtout qu'il fonctionne sur des cycles de mesure de plusieurs millisecondes. Oui, en fait, c'est pour ça que je ne me suis pas trop euh, trop inquiété. Ce que j'avais lu, c'était que effectivement, le, le temps de réponse, alors je sais pas si on va l'avoir euh, dans la... Enfin, si on l'a forcément dans la doc, mais je ne sais pas si je vais le trouver là euh, rapidement. Un gros tableau avec des, des valeurs, généralement, <laughs> quelque part. Euh c'était que euh, y, voilà il y avait plusieurs millisecondes entre chaque euh, mesure donc euh, ça va j'aurai le temps de faire plusieurs cycles et plusieurs calculs euh, entre-temps contrôler l'angle Ah, oh ah c'était ça que j'avais pas réussi à avoir comme information sur le entre le L0 et le L1 j'avais fait vite fait une recherche j'ai pas compris trop la différence mais bon il L0 ou L1 bof et tu peux contrôler l'angle ça c'est quand même balèze euh, je, je, je regarde sans lien là ah plus input Best free time between mission 1,3 millisecondes. Ça va, hein. Ça va large. Hein? On a le temps. On a grave le temps. ça consomme ce truc là mmh ok bon Rating frequency 108 MHz. hz ok faut vraiment que je m'applique écoutez je vais faire de toute façon c'est une, une carte pour tester donc c'est même pas sûr que je teste ça cette année mais euh... Oh, il y a les cones et tout ça ça c'est très bien ah oui c'est quand même c'est quand même relativement large 35 degrés 25 et c'est pas gentil, ça. Waouh, je m'attendais pas à ça. Hein. Je m'attendais à plus fin quand même. Oui, forcément. Ouais. Bah oui, comme c'est du time of flight, et plus, plus c'est long, plus, plus ta distance est, est longue également, effectivement. Bon. Ok. Ok, ok. Eh ben, et eh ben, et eh ben. Comme je sais pas encore euh, trop comment je vais l'utiliser, ce qui est sûr, c'est que je vais avoir besoin de deux euh, pattes supplémentaires, au moins une par euh, capteur pour pouvoir euh, changer les adresses puisque j'ai deux capteurs. Alors, est-ce que j'ai un connecteur 5 Je crois que non, j'ai que des connecteurs 4 et je suis même pas sûr que euh, là où j'achète mes connecteurs, j'ai des connecteurs de 5. Ça c'est dommage. Euh, ça c'est dommage. Euh... Ah non, j'ai des connecteurs de 5 par 2. Il faut compter un peu de recouvrement si tu ne veux pas louper des angles. Hmm, je comprends, ouais. Effectivement. Euh, ok. Euh, bon, j'ai pas de connecteur de 5. Est-ce que ça existe seulement j'ai l'habitude de les prendre soit chez Gotronic, soit chez RS, mais chez Gotronic, je vais aller beaucoup plus vite que de les chercher chez RS. Euh, sauf ils ont changé leur boîtier, connectique, euh, connecteur, hum, connecteur de circuit imprimé, donc ils en font des 5. Voilà, je pas envie de. Ok, alors. Pas grave euh... salut fan caribou euh... oh zut j'ai pas envie de j'ai pas trop envie de truander mais ça voudrait dire refaire un, un composant allez est-ce qu'on se motive Ouais, parce que refaire des composants dans, dans Eagle, c'est toujours une aventure. Connecteur, connecteur 4. Allez. Open. Un nouveau modèle. Con 05. Oui, je veux créer Con 05. Yeah, yeah, yeah. Love content ici, ça on va le duplicate. Euh, non, annulé euh, duplicate 05. Voilà euh, le 3D, bah non, et le symbole duplicate 05. Ok. Et Des 6, oui, mais les 6, je veux pas les mettre <laughs> donc pas ce soir. Les 6, euh... hop là, c'est quand même la truanderie là. Hop, bonjour, bienvenue en truanderie, sauvegarder, euh, annuler, revenir ici. Voilà, <laughs> connecteur de 5. Bonjour. Alors, par contre, là, celui-là, c'est le. Euh, pourquoi j'ai pas le nom Ah ouais, c'est sur le dessus. Ok. Hop. Puis. Voilà. Oh, c'est pas du tout la même. Voilà, oh, grande blague. Oh putain, je vais galérer. Ah voilà. Euh, position euh, lens euh, visible pad. P. Hmm. Ok. Bah oui attendez qu'est-ce que je fais moi C'est un pad ça normalement. Pourquoi il me le prend pas quand je le copie Copie-le copain. Oh, oui Ok, super, c'est bon, je l'ai. Ah là 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 là. Si c'est un peu la truanderie. En fait je m'attendais à ce que ce soit pire que ça, mais ça va. C'était quand même plutôt bien foutu. Mais ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Et du coup... Euh... Alors là, euh, de je me souviens, euh, je veux insérer nouveau local package. Voilà, nickel. Ok, là je suis je suis content. Connect. Non. Euh... Ah oui, add part, c'est ça. Hop, voilà. Nickel. Ok, connect. Euh, ouais, 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 j'aime beaucoup. Ok, super. Voilà, on sauvegarde. Oui, je sais, je sais, mon coco. Hop, on va créer une nouvelle version. Oui, créer une nouvelle version, oui, tout à fait. Voilà, c'est juste que j'ai pas. Bon, oh, j'ai pas les paquets 3D sur ceux-là mais euh, tant pis hein, je ferai euh, un autre jour mmh, revenons sur notre circuit est ce qu'on va réussir à l'importer ce qui va être gentil connector il y ya yeah. ailleurs ah, j'ai pas fait j'ai fait que le polariser bon bah c'est pas grave tant pis hop euh, one two hop. voilà Nickel. Nickel. Par contre... Euh... Ah. Allez, réponds-moi ça. OK. Move. Merci. OK. Voilà. Tac. Non. Ok, un peu plus d'air. Zo so, et maintenant on va rajouter notre pâte qu'on va appeler. Alors c'est comment ils appellent ça euh, La paste, c'est chante quelque chose X chante. Euh, où est-ce que je l'ai vu X C allons-y. Voilà. X -E S H -U -T. Parfait. Alors, c'est là où on va passer sur la borne et Regardez où c'est parti. Alors, ouf, oula, euh, qui es-tu, toi Ah oui, je me souviens. Euh, alors, c'est là où ça peut être compliqué. Ici, le SDSL, je ne peux pas le bouger. Là, le RXTX, je n'ai pas envie de le bouger. Donc, vaut mieux que celui-là. C'est la prise qui reste ici à côté de la com. Ça me paraît beaucoup plus logique. Maintenant, je peux décaler ou inverser capteur sortie, capteur avant-sortie, capteur arrière-sortie pour les mettre sur 12 et 13. Ce sont des sorties tout ou rien. Est-ce que ça me dérange Ça ne me dérange absolument pas. Faisons ça. Voilà. Voilà en mmh, sortie, dernière sortie, tac, capt, capt, euh, on va y arriver, Pardon. sortie, euh, oui, je veux bien, oui, et capt, à sortie, tout, oui, toujours, voilà, donc maintenant, à tout mêler mon chevelu, Hop. On revient. Voilà. On est pas mal. Et là, normalement, on est bien. Voilà. Pas beaucoup de place. Mais ça, on va pouvoir résoudre ce problème juste après. Voilà, super. Donc une fois qu'on aura routé ça, 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 il va falloir... Ah, et que ça je le passe sur 10 et ça je le passe sur 9, donc ça va être U3 sur 10. Ok, U3 c'est les choses d'avant. Ok, et ben, X est et ça chutait. Et... Euh... Ave, ah, oui. oui toujours. Et Alors, oui. Voilà, on est bien là. Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que j'ai Est-ce que tout est bon là Parfait là. Chouette, chouette. Tic, tic, tic. Ça passe. Ça, ça passe nickel. Ça, c'est trop facile. Clac, clac, ça, c'est trop facile. Ça, c'est un peu con. Ça, c'est un peu con. Je peux inverser les deux. Est-ce que ça change quelque chose si j'inverse les deux euh, Absolument pas. Absolument pas. Signe cerveau, signe l'orientation. Allez, zo, on inverse les deux. Ça sera plus joli. Et plus simple à router. Euh, hop. Signal cerveau, signal orientation. Voilà, c'est bien. J'étais content parce que je me suis dit, bon, bah ça va. J'ai déjà démêlé le chevelu, ça va aller vite. On va faire le routage directement. Il est 22h50, il n'a pas commencé son routage. Alors. Le condensateur est pas trop proche du trou pour la tête de vis Si, absolument. Euh, ça fait partie des trucs que j'ai rajouté à l'arrache hier parce que je me suis dit merde, il me faut un, un régulateur, il me faut un condensateur et je le voulais le plus proche du servomoteur et là j'ai fait ah bah non, il y a une vis. Donc euh, il faut que je trouve une solution. Alors j'ai une solution, mais un peu dégueulasse, consistait à plier le condensateur. Bon, je l'ai déjà fait <laughs> sur cette carte, mais c'était un, un peu sale. Donc là, maintenant, il va falloir tout bouger pour que bah, ça rentre et que je fasse rentrer une, une LED de plus. Alors, j'avais décidé de mettre des LEDs euh, traversantes en 5 mm. Pourquoi Parce que je voulais que euh, ça dépasse ici de mon car carter. Euh, du coup, ouais, du coup, j'ai pensé au LED CMS, mais j'aime moins, je trouve que c'est moins joli euh, sur un, quand ça dépasse pas du. Enfin, je préfère quand ça dépasse un peu du carter, du coup, je trouve ça un peu plus sympa euh, parce que c'est un peu plus visible euh, et du coup, ça m'oblige pas à avoir un cap carter euh, transparent. Euh, 805 for life, ah ouais, non mais <laughs> ça va, euh, je. Je, mes, mes yeux commencent à fatiguer tu sais euh, non non mais euh, euh, du coup je voulais quand même rester en, en en 5mm et je suis en train de me dire que j'ai pas besoin que toutes mes LED soient des LED traversantes euh, t'inquiète suffit de pas mettre des résistances ça se voit bien, ah bah oui je peux te dire que sur du 24 volts ça va bien se voir ouais. <laughs> ça va très bien se voir, euh, non, mais en fait, sur le 24, je vais mettre une résistance, une LED CMS parce qu'en fait, j'ai pas besoin d'avoir une LED traversante, euh, c'est vraiment pour du débugage. Alors, Fab LED, voilà, très bien, tac, tac, Hop. comme ça, on n'en parle plus. Nickel. Voilà, déjà là, ça prendra beaucoup moins de place. Et ça va être beaucoup plus facilement mis. Euh, du coup, là, il y a beaucoup de trucs qui peuvent gêner. Euh... Celui-là, il peut gêner. Ça, ça peut gêner. Au niveau des vis. Salut! Six-Silp! silp Eh ah ben. Bah. Vous m'aidez pas hein, quand même sur les noms. Alors, coucou, pour le régulateur et les potes, là tu devrais prendre du CMS. Euh... Bah, pourquoi Ils sont bien, en fait j'ai plein de potards transversants. J'ai en pas envie d'en acheter des CMS. <laughs> Spécialement pour cette carte-là. Mais en fait, ce qu'il faut dire, c'est que les potards, ils sont de l'autre côté hein, du circuit. Donc je peux faire ça à la limite si je veux, en fait. Euh, ils sont, euh, on le voit pas là, euh, mais euh... pardon mais euh, ici, voilà, ah, ils sont là en fait. Ils vont être accessibles de ce côté-là du panneau. Donc je suis pas trop trop inquiet en fait pour ça. Ouf, ou la vache. Ah ouais. Ah ouais, ça vous flingue pas les yeux à chaque fois que vous regardez vos cartes <laughs> C'est la violence quand même. Euh, donc non, moi je me, euh, là attendez, il euh, y, y a grave de la place là, on est on est ultra large, hein. on est ultra large. Euh, alors tu balances les caps en SMS derrière les potes. Euh, oui, c'est une possibilité aussi, mais c'est pareil, j'ai tellement de capacité en, en traversant en fait. Et regardez, euh... hop. Ça, c'est mon GND. Oh, trop facile. Voilà. En fait, de mettre un plan de masse, est ça ira. Euh... Merci. Voilà. Trop facile. Euh, donc là, on est bon. Depuis, personne ne veut débugger les pas Tu m'étonnes. Si à chaque fois que tu le mec qui s'occupe de l'élève qui devient aveugle. <laughs> c'est une carte pour Noël. Oh, je peux faire des trucs euh, rigolos, hein, si tu veux. Euh, alors. Attendez. Je me suis perdu, là. Vous m'avez perdu. Euh, mes LED. Alors, mes capteurs. Hein, ça fait... Au moins, on voit si quelqu'un a oublié d'éteindre le robot. Ah oui, ça, c'est sûr. Hein. Euh, alors, j'ai un 24 qui arrive là, qui arrive ici. On va le mettre. On va mettre ça là, hop. Ça là et on va le mettre de l'autre côté. Prêt, prêt, prêt. Hop, voilà. Parfait. Euh, tac tac euh, l'aide RGB pour gagner en vitesse sur le robot. Euh, pourquoi en vitesse Alors là les signaux sont bons, là c'est bon. Qu'est-ce que c'est que ça Ah oui. Ok, ça c'est mon 5 volts. J'ai vraiment envie de mettre ma LED de 5 volts aussi là pour... Oh. Il est où mon 5V Il est là. J'ai du bit. J'ai du beat fort. Allez. On passe la lettre de 5V en SMS aussi. Quick, quick. Une LED par capteur pour des bugs, mon dieu. Encore plus de cancer. T'as une image <laughs> Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié. En plus, elles sont RGB, celle-là. <laughs> c'est vraiment cinglé. Euh. <laughs> c'est vraiment abusé. Euh... Mais allez, voilà. Alors, on reroute tout ça. Toic toic toic. Off, comme ça bien ça c'est pas trop mal ah, et par contre il s'est aligné sur un euh, le 5 volts il est là bas donc euh, oui j'ai de la place voilà voilà impeccable impeccable j'aime beaucoup Alors, plus ça va, euh, moins il y a de trucs traversants quoi. Bon, qu'est-ce qu'on se fait On se chauffe sur les LED euh, travers euh, CMS Ah là. Toi, ah, tu nous as envoyé... Ah oui, non, mais eux, c'est. C'est vraiment un sapin de Noël. Il est beau mon sapin. Ouais, je me souviens de ce truc. Mon dieu. C'est horrible. J'aime le charme du traversant. Mais moi aussi, j'aime le charme du traversant. C'est beau le traversant. C'est quand même ultra sympa. Euh... Alors. On va se faire un peu de place. Voilà. Ça. On peut largement le mettre ici. Ça aussi. CMS Master oui. Race. <laughs> Alors... Euh... Ah, ce que j'aime pas, c'est que là, mes LED, elles vont pas être alignées. Après, euh, pff, je suis un peu con aussi, euh, j'ai pris des LED de 5, à 5 mm. Est-ce euh, que je prendrais pas des LED de 3 Ça serait peut-être quand même vachement mieux. Ou alors. Ou alors. Oh, je viens d'avoir une idée. Ou alors, des LED CMS quand même mais avec un plexi diffusant je fais juste une encoche et je mets le, la découpe laser ici avec le plexi diffusant oh ça pourrait être joli ça J'ai jamais essayé ça euh... attendez je vous explique en vue de coupe on pourrait avoir le PCB euh, ici. Alors, le problème, c'est que je sais pas si vous voyez, puis en plus, je suis à l'envers. Ah, attendez, c'est un peu un problème ça. Est-ce que je peux. Alors, attendez, je, je change des trucs dans OBS en live. Station de 180. Oh, parfait. Voilà, nickel. On va le PCB ici. Là, j'ai mes entretoises. Là, je remets lettres CMS. Euh, ça va se voir. Hop. Un plexi diffusant. C'est en vue de coupe comme ça, ça pourrait être sympa. Ça, Donc une petite pièce en plexi diffusant, découpée au laser. Voilà. Mmh. Qu'est-ce que ça vous dit Qu'est-ce que ça vous évoque Moi je trouve ça rigolo. Ça vous évoque pas grand chose apparemment. <laughs> Bon, si ça vous évoque pas grand-chose, c'est cool. Merci, King. Euh, ça ne va pas gêner la fuite de lumière avec une, un seul diffuseur. Techniquement, une LED CMS a déjà un plexi diffusant. Euh, je ne sais pas. Je ne sais pas. Tu as peur de quoi Que ça ne diffuse pas suffisamment dans, la, dans, le, dans le plexi parce qu'après, euh, on peut aussi se dire que on en met, on met un flexi diffusant par euh, par les CMS, comme ce qui se fait en fait sur certains sur certains boîtiers. Hein. un truc comme ça. Voilà. Clac 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 clac. Hein. Dans les deux cas, euh, je pense que ça, ça peut le faire. Hein. J'essaie... Écoutez, je vous, vous, vous... Après, euh, diffusant, je peux aussi, euh, sur une plaque de diffusant, euh, euh, comme ça. Voilà, si c'est ça la plaque de diffusant. Euh, pour éviter la fuite de lumière latérale, je peux aussi venir euh, plaquer euh, sur le côté un, un acrylique noir ou, un, ou, ou, ou peint en noir ou une feuille noire. Des deux côtés. Comme ça, il euh, n'y a que cette tranche ici qui va laisser passer la lumière. Hein. Ça, 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 je l'ai déjà fait. Euh, je pense que, que c'est un enchaînement siplexique et transparent. Tu veux une ref de LED euh, Non, bah, écoute... Euh, ah, tu T'as une, une ref de LED en 1206 qui, qui envoie un peu de, 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 de violence Il faudrait faire des encoches découpées. Entre chaque surface de diffusion par l'aide, au moins l'une ne perturbera pas l'autre. Euh, ouais, c'est pour ça, voilà. Soit on fait un truc dans ce genre là, soit c'est une seule pièce comme ça. Bon, je sais pas. Vous savez quoi, je vais, je vais faire les essais. Je, mets, je mettrai tchouk tchouk les trucs et puis on verra bien ce que ça donne. Et je, je changerai mon, mon carter en fonction. Donc euh, Non mais ça me semble bien me semble bien allez boum led en 12.06 on aura plus de de place pour déplacer notre condensateur plus vers là bas et ça sera très bien vous m'avez fait changer mes LED en du pour du cms je reviens pas heureusement que j'ai pas mis des résistances en, <laughs> en traversant non, les résistances en traversant, j'ai arrêté depuis l'année dernière. C'était quand même, c'était quand même un peu la... À... C'était quand même assez chiant ça. Euh, tiens d'ailleurs, vous vous allez passer de l'autre côté pour que ce soit plus facile pour moi. Toutes les tout le CMS d'un côté, ce sera beaucoup mieux. Quick, 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 voilà. Tac, tac. Euh, J'ai AFK pour trouver ça. Un bright c'est Ouais bah c'est chez eux que je je, je pars en général. Euh, KPTR, net basse puissance. Ouais. Ok. On le lui mène. deux. Ouais. Ouais c'est bien. Après ça dépend toujours de la de la de la couleur là. C'est quoi? C'est du rouge? Ouais la même référence en bleu ça, ça, va, ça va passer à 120 euh... ah, attendez pardon je suis pas sur mon je suis pas sur le bureau excusez moi euh, là ça va passer à 120 là parce que là on est à 80 parce que c'est du rouge euh... ok je la garde de côté euh... alors on va se remonter ça du coup maintenant qu'on a grave de la place C'est quand même un peu de marge parce que là il y a les vis. Euh, ça, c'est pas très beau ça. Ou alors là. Alors là je vais avoir mon machin qui va faire ça. 93, ça c 3 ça c'est 3,3 volts 3 Alors par contre faut pas oublier un truc, c'est que ici il y a la sortie USB euh, du de l'Arduino. Donc ça, je ne peux pas non plus le mettre trop loin. Tu vois, en combien pour les résistances en CMS Eh bien écoute, j'ai pris l'habitude de ne rien mettre sur mes circuits, tout simplement parce que euh, c'est toujours à la dernière minute que je choisis mes, euh, mes, euh, mes, mes LED. Donc c'est en fonction des LED que j'ai <laughs> au moment où je soude. Euh, donc je choisis un peu en fonction d'eux, souvent quand même sur euh, du 5 euh, je mets du 1 kg parce que c'est ce que j'ai de plus voilà euh, mais que j'ai pas forcément besoin d'avoir une luminosité de taré euh, ou alors euh, du je sais plus combien 400 et des bananes quelque chose comme ça pour le 24 par contre je ne me souviens plus exactement ce que j'ai euh, c'est au bureau donc il euh, faudra que je regarde ah, ça passe au-dessus des résistances. Je parle du footprint. Ah, 12,06. 12,06. Tout en 12,06. C'est ce que j'ai de plus en fait. Tout simplement. J'avais pas compris. Désolé. Euh... En fait, je peux pas vraiment bouger ce, ce condensateur-là. Ah, c'est du c'est du, du 603 que tu m'as tu m'as mis, je me pas j'ai même pas vu. Je même pas. Vu. Non, non c'était du 1206. C'est ce que tu m'as envoyé. Donc, tout va bien. Euh, 1206, euh, ouais. Oui, ouais. Merci Alex, j'ai reçu le la... j'ai reçu l'info. Ouais bon du coup ça va on va, on va trouver ça va c'est des LED c'est pas, pas trop un, un gros problème je pense, que... je pense que ça va le faire Bon ben on est pas mal hein. juste ce machin là qui me, qui me saoule un peu mais euh, il me semble que j'ai de la place sur le côté donc je peux même mettre le Oh grave mmh, je sens que il va passer sur le côté ce condensateur en pliage euh, on va faire un truc c'est qu'on va l'importer dans Fusion juste pour vérifier. Je pense que je vais faire un truc comme ça, plié, à voilà, comme ça il ne fera pas chier. Et au moins je serai à proximité du servomoteur parce que c'est vraiment ce que je voulais. Euh, C'était que euh, ce truc là soit à proximité du servomoteur. Et lui hop on le tourne. Quoique... tac 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 ouais, oh, oh, en double face. Ok, allez, on le pousse sur fusion. Waouh wow. C'est pas comme une de mes dernières cartes. Il hein. n'y a rien entre en euh... Moi, je trouve que Thérèse était... Mais je trouvais que Thérèse était grosse. <laughs> 1206, c'est un peu comme les Lego du Plot. Ah, et oh, ça va Là, je prends bien les Lego du Plot. Attendez, j'ai une fille de 2 ans et demi. C'est hein. les Lego du Plot hein. C'est trop bien. Hein. <laughs> Hop là. Et après, j'ai dit que c'était la carte où je ne devais pas trop me prendre la tête. Hein. Sinon, je passe en résistance euh, traversante. Et ça marche aussi. Hein, parce que là, euh, honnêtement, euh, que je sois en traversant ou en CMS, euh, pff, je gagne pas vraiment beaucoup de place. Hein, honnêtement. Alors, euh, revenons ici. Là il va me dire... Euh, Qu'est-ce qu'il va me dire Il me dit rien du tout. Allez, je ferme. Don't save. J'ai rien modifié de toute façon. Hop Refresh. Voilà. Monsieur veut pouvoir ressouder ses responsables. Mais exactement Exactement C'est pour ça que je suis resté très très longtemps en traversant. Ok. Alors. Ah ouais, j'ai grave la place. Il est gros quand même. Hein c'est gros, c'est un peu gros. J'ai vu gros. Bon, en traversant pas besoin de faire les guides lumière. Ben oui, exactement. Je me fais chier à faire un guide lumière alors qu'en traversant j'aurais pas eu ce problème. <laughs> bon, en vrai ça passe. Connecteur à côté, boum boum. Allez, du jai vendu. Allons-y pour le routage. Et alors là, euh, ceux qui sont euh, à Yatola du, euh, du, du traversant et du fin, euh, vous allez voir, vous allez, euh, vous allez hurler parce que je route, mais tellement gros, parce que euh, en fait, c'est une habitude. C'est que comme j'ai toujours fait mes cartes pendant très longtemps moi-même. Donc, euh, à, soit à la fraiseuse avec des vieilles fraiseuses, euh, soit euh, avec des, euh, des, produits, euh, des produits chimiques, du perclos, euh, de la mousse de perclos ou euh, du persulfate, etc. J'ai toujours des pistes très très larges. Et donc, j'ai toujours pris cette habitude de faire les pistes les plus larges que je pouvais. Et donc, euh, ben, donc euh, voilà, c'est tout. Quoi. <laughs> Et euh, c'est vraiment. Euh, c'est tout. C'est mon habitude, c'est comme ça. Allez, donc on va commencer. Alors, en général, moi je route d'abord euh, les, euh, les puissances. Euh, J'aime pas trop la manière dont il est positionné celui-là. On va le positionner plutôt comme ça. Il y a toujours un connecteur au-dessus de l'autre, en bas à droite. Connecteur au-dessus de l'autre. Ah oui, merci beaucoup. Hop, merci. Hop, ça me garde. On continue, clac voilà, clac, clac, clac. Ensuite. Euh... Tac tac. On va router. Les euh, Je suis en quoi là Je suis en top, hein. Ouais. Tac. Et là j'ai pas de 5 volts Par contre là j'ai un 5 volts Ah oui par contre j'ai pas routé le 5 volts là dessus Pourquoi j'ai pas mis le 5 volts là dessus Mettons le euh... ou ne le mettons pas si ah oui tiens intéressant Oui. Toujours, oui. Hop. Voilà. Et on continue. Arc. Ouais, ouais, ouais. Arc. 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 Voilà. Donc j'ai un beau 5 volts. Et par contre... Faut que je le récupère d'ici. Il va arriver là, là, là. Ok. Ensuite il va là. Donc ça. Hop. Euh, ce sera du GND. J'en ai besoin en dessous. Ok. Hop. ah, Voilà. Ça c'est bon, ça c'est bon. Hop. voilà. Ok. J'ai un 5 volts ensuite qui passe ici. Je peux l'utiliser en Voilà j'ai un... mon 5 volts là ah. hop voilà moyennement intéressant le stream le stream routage je pense pour vous tu devrais router le v in de l'arduino en 5 volts non euh... bah moi je préfère alimenter directement depuis mon régulateur en 5 volts j'attends vos avis j'aime pas passer par le v in. en fait j'ai tellement eu de merde avec le régulateur du, de l'Arduino que je préfère ne plus passer par le régulateur de l'Arduino. Euh, je préfère euh, apporter moi-même mon, mon propre 5V qui fonctionne. Je sais que ça fonctionne et qu'il n'y a pas de souci. Euh, je pense que sur l'Arduino micro, il me semble que c'est possible hein, parce que je l'ai déjà fait. Et en fait, c'est toujours ce que je fais, je, je crois. Ah non, pas ça, pas ça. Ah, j'ai jamais eu de soucis. Bah, après, ça dépend des qualités d'Arduino, mais j'ai déjà eu des, des régulateurs qui étaient un peu choqués. Et, euh, et des fois, euh, régulateurs qui sautent, et je ne sais pas pourquoi. Ou euh, des baisses de, de tension. En fait, l'alimentation ne se fait pas très bien parce que le régulateur, c'est pas un low drop. Et donc du coup, euh, 5 volts, c'est pas suffisant pour lui. Donc il va réguler correctement, mais s'il n'y a pas suffisamment, pas trop de charge. Et dès que je vais faire appel à trop de milliampères sur les pattes et ben il ya un moment où le truc tombe quoi et, euh, et du coup euh, voilà c'est euh, par habitude je, je, je préfère piloter moi même mon euh, mon 5 volts qu'est ce que je fais là je veux le schématique de l'arduino micro qu'est ce que c'est que ça oh. Je crois que je vais aller, devoir aller sur, sur GitHub, à mon avis. Je peux l'ouvrir. Oh c'est de la merde ça. Ah, pas de coup, pas de souci. C'était juste une question. Non, non, mais c'est vraiment euh, vraiment. Euh, c'est vraiment intéressant. Hein, parce que je sais que euh, t'es pas le seul à me le dire. Et donc du coup, euh, voilà. Comme, euh, comme j'ai déjà eu de... Des soucis. Euh... Bon, est-ce que je peux l'ouvrir ça Ouvrir l'image dans un nouvel onglet. Voilà, merci. Arduino micro. Alors, euh, je regarde mon 5V. Ok. Alors, 5V régulation, voilà. Bah, en fait, c'est juste que. Bon, c'est juste qu'il va pas se passer grand-chose. Hein. Voilà, je vais avoir du 5V qui va arriver là, du 5V qui va arriver là, ça va couper ça. Hop, mon régulateur sera plus alimenté. Mon 5V va alimenter mon régulateur de 3.3, euh, et, euh, et puis on est tranquille. Et comme le régulateur de 3.3, je m'en sers vraiment pas, voilà, donc du coup, du coup je m'en fous. Euh, et quand je vais brancher l'Arduino, hop, c'est euh, celui-là. Euh, je vais brancher mon USB, avoir le USB qui va arriver ici, tac tac, donc, euh, qui va dégager le VIN, non, mais du coup, il euh, n'y aura pas de souci parce que généralement plus moi je déconnecte les câbles euh, 5 volts pour charger dans mon arduino comme ça je ne, je ne peux charger que quand j'ai l'alimentation de l'ensemble du robot comme ce que je fais avec les teensy donc euh, donc donc pas de souci en tout cas pour moi là je vois pas de problème ouais king of shoes qui fait la même chose que moi il y en a d'autres qui sont le même gars que moi ou qui, qui ou qui font autrement d'ailleurs ce serait intéressant euh, alors router tout de suite ça ici euh, j'ai pas le 5 volts par contre qui arrive là euh, je vais le faire passer est ce que je vais le fais passer par en dessous ici directement oui Comme ça c'est la première ligne qui c'est le servomoteur moteur qui sera là c'est pas terrible ça c'est pas terrible mais bon ouf. Ouf. condo au cas où ouais bah du coup j'ai le condo donc euh... après on n'est pas sur un... une utilisation de ouf euh... j'aime pas ce que je fais là Alors pourquoi je passe pas par là directement Vous allez me dire euh, tout simplement parce que mon cerveau moteur est là euh, et j'ai envie que, le, que ce soit le premier sur ma ligne à être alimenté avant le reste euh, parce que c'est lui qui va tirer le plus en fait. Pareil si vous n'êtes pas d'accord avec ça, n'hésitez pas à réagir mais ça me semble quand même vachement plus logique euh, c'est un truc dont j'avais discuté avec Gargamel euh, de RCVA à une époque on parlait sur des servomoteurs de comment on routait l'alimentation donc bon, j'avais gardé ça en tête parce que j'en avais discuté ensemble après pas c'était peut-être pas complètement nécessaire mais à vous de me dire Tata. Attends, ça va tellement être simple là. Hein. Euh, le gène des nains, je m'en fous. Donc maintenant que j'ai routé le 5 volts et la lime, je vais router mes signaux. Elle est idéalement mal placée cette euh, résistance, dis donc. Ouais, ils ont eu le souci à beachbot l'affaire du robot Brick Story ouais, ouais bah, bah, c'est bah, exactement lors de Beachbot qu'on en a discuté euh, à, euh, quand on avait fait la Coupe d'Île-de-France avec eux et euh, on se demandait même si euh, sur les servomoteurs euh, il aurait pas fallu euh, bah, en fait euh, router en étoile mais ça, ça compliquait énormément parce que ils en avaient pas mal des servomoteurs ça compliquait énormément les circuits et je me souviens qu'ils avaient fait un truc assez dégueulasse mais assez efficace et qu'ils avaient refoutu du de l'étain sur leur piste pour l'alimentation. Enfin, c'était l'enfer. Et, euh, et du coup, j'ai toujours eu dans ma mémoire cette, euh, ce, 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 ce circuit. <laughs> et du coup, j'ai toujours fait gaffe à ça après. Euh, alors en, en fait, au début, avant, je m'en foutais complètement. Euh, donc comme quoi... Euh, euh, alors ici, on repasse en top. voilà. Voilà. Le mieux, c'est de faire un bus dédié. Bah oui, quand on peut effectivement, c'est quand même mieux. Euh, alors c'est là qu'on va se marrer. On va pas le faire tout de suite. On va faire le reste. Comme ça, il me restera plus que le GND. Euh, ça, on peut le faire. Ça, on peut le faire aussi. Allez y Oula, mon dieu. Tu en fais des cauchemars Pense aux résistances de pull-up sur l'I2C. Elles sont là. Voilà. <laughs> J'y ai pensé. Attends. Euh... Parce que je sais que des fois, il y, y a des composants en i 2 qui ont des, des, des trucs un petit peu euh, bizarres. On est d'accord que avec ces, ces capteurs-là, euh, une résistance de pull-up sur l'ensemble du circuit euh, I2C, enfin deux résistances SDSL c'est suffisant euh, parce que je sais que j'ai déjà vu des circuits où ils en mettaient plusieurs par composant, jamais compris pourquoi parce que pourtant l'impédance de la ligne euh, enfin bref Et, euh, mais du coup là on est d'accord que euh, une seule fois euh, ça suffit sinon euh, sinon c'est le moment de me le dire <laughs> Genre il faut le mettre à chaque fois entre les trucs euh, machin. Il y, avait, euh, il y avait une série de LED RGB qui était comme ça c'était l'enfer. Euh, il fallait mettre des résistances dans tous les sens euh, sinon ça marchait pas. Euh, oula attendez. Ouais on va faire ça comme ça. la chaîne DM Attends, je regarde ça tout de suite. Pourquoi... Ah <laughs> Oula La fatigue du live. Pourquoi ça marche pas Bah c'est pas le même circuit. Mais par contre j'aimerais bien router quand même, s'il vous plaît. Merci. Ah, J'aime pas, ça passe trop près. Voilà, alors, que m'as-tu envoyé euh, Ah oui, il y avait l'application Note, en plus je l'ai ouverte, mais euh, euh, il, il m'a rien dit. Alors ça, c'est ce que qu'on va retrouver sur l'ensemble des cartes quasiment. Ok. Ah, Ça, c'est quoi ça Là, Ça, c'est les résistances de poulet sur les GPIO. Euh, ouais, ok, d'accord. What? Ah, attends, il y a que ça Alors, bah, faut que je lise. alors Ça explique comment gérer plusieurs capteurs. Multiple, contre de Ouais. C'est ce que tu disais. Ah, C'est ce que vous disiez aussi avec Alex. A unique reset pin would be needed for each sensor. Voilà. Is it taken out of reset Ah oui. Ouais. Donc là, il peut. Te, il, il dit euh, si jamais il y en a beaucoup, on peut utiliser un machin pour pouvoir avoir. Ouais. D'accord. Ok. Et, euh, et finalement avoir un peu moins de. Euh, D'entrée-sortie utilisable. Ok. Et il n'y a pas de spécification sur li c effectivement. Donc ça passe. Donc voilà, moi je le comprends aussi comme ça. Si je reviens sur lui, là, il y avait un schéma à un moment. Ouais, voilà, il dit juste SDACL sur IOVDD. Qu'est-ce qu'ils disent? extend les pull-up resistor value can be found in the service, plus la partie qui est only once per bus near the host, donc c'est bon, on est bien. Recommended value for pull-up resistor would be 1,5K à 2K, ok, ok, c'est intéressant. Ok, c'est pas du tout les résistances de pull-up que j'ai l'habitude de mettre, ah, mais parce qu'ils oui, tourne en 400... 400 kHz, ok. D'accord, donc ça, important à regarder. Euh, prêt à affronter la chaîne tempête Je suis une quiche en élec et j'ai pas mis de résistance sur l'île mais ça marche. Oui, en fait, euh, oui, ça peut marcher. Hein. Pas, euh, alors, c'est bien de les mettre quand même. <laughs> voilà, euh, conseil, euh, il faut les mettre. Euh, mais ça peut marcher, hein. ça peut marcher, et tu peux ne jamais te rendre compte que tu les as oubliés <laughs> ou que tu as mis des, des, des valeurs à la con. Oh, si tu as, si as mis vraiment des valeurs à la con, si tu vas t'en rendre compte, mais effectivement, euh, c'est bien de, de les mettre, euh, surtout si tu veux euh, fonctionner à certaines vitesses de bus. Euh, je suis pas un très gros connaisseur de l'IDC, mais ça, ça joue quand même. Euh, et puis, ouais, si les fils sont longs, alors souvent, enfin, IDC plus fils, le, alors, chez une tempête aussi, I2C plus fil, c'est pas très très bon non plus. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui vous diront que c'est vraiment euh, pas ce qu'il faut. Et moi, l'année où j'ai vraiment eu des soucis, j'avais du coup foutu un contrôleur supplémentaire détendeur de, de, de bus I2C pour câble, pour pouvoir faire sortir mes signaux I2C de mes cartes, euh, pour faire du carte à carte. Euh, et j'étais capable de faire sortir un câble de, je sais plus, 100 mètres. Euh, en I2C, euh, bon j'avais pas essayé à 100 mètres, mais voilà. Et du coup pour éviter euh, tout problème de perte de, de, de trucs, etc. Ça a marché, mais c'était l'enfer. Euh... Nous on a mis un GPIO extérieur avec 48 qui gère les interruptions. Ah oui, ah oui parce que vous vous en avez beaucoup aussi. La bonne mauvaise pratique, il passe au centre du moteur brushless. Ah oui, ah oui. <laughs> Alors si tu commences à perdre des paquets d'informations. Euh, T'auras beau faire du traitement, <laughs> faudra, faudra quand même changer ça parce que, ouais, alors ça, ça a un impact. Et euh, la définition d'overkill, ouais, bah ouais, mais alors du coup, tu dis ça, mais en fait, j'avais vraiment fait ça parce que mes cartes étaient partout dans mon robot. C'était la première fois que j'utilisais du 24 v avec des moteurs pas à pas et les fils d'alimentation du 24 passaient un peu partout. Ça crachait de la merde dans tous les sens. Et si j'avais pas fait ça, mon bus i c il aurait été juste pourri de chez pourri. Et on a eu zéro perte euh, cette année-là euh, d'information. Donc euh, je suis plutôt content de, de moi. Maintenant, je fais plus. Je euh, de lit de c j'essaie de plus en plus d'essayer de le laisser. Ou sur des fils très très courts. Ou euh, vraiment sur une carte. Et il ne sort pas de la carte. Et s'il sort de la carte à plus de, de 50 cm, euh, voire de, 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 de 20 cm. Et je mets un petit composant pour, euh, pour envoyer un peu de pêche. Mais encore une fois, ouais. overkill parce que j'ai eu euh, une fois un souci et que j'ai plus envie de l'avoir, surtout à la coupe. Parce que euh, le pire souci qu'on peut avoir à la coupe, c'est quand même des emmerdes de. Oh euh, de, de, de c... là, attendez, je fais n'importe quoi là. De CEM ou euh, de trucs comme ça. Là. Non, euh, au plus, euh, plus c'est euh, euh, simple et sécurisé, au mieux c'est. Pourri cette grille là. Qu'est-ce que c'est que ça? 50? 25? Beaucoup mieux. J'ai pas réglé mon DRC. Bon. Ça a l'air d'aller. Je crois que je voulais retrouver ces cartes un jour juste pour vous les montrer. Elles étaient tellement violentes. C'était des cartes où euh, toutes les cartes avaient leur propre régulateur pour du 24. Je faisais passer mon 24 dans tous les sens. C'était dégueulasse. Oh ça c'est pas beau ça. Voilà, alors. Maintenant, on règle tout ça. Une autre époque. Bah c'est cette année-là d'ailleurs que j'ai fait... Ah non, c'est pas cette année-là que j'ai fait un fusible avec une nappe. Mais il y a une année où j'ai fait un fusible avec une nappe et c'était très très drôle. Les gens qui étaient là s'en souviennent. <laughs> ça a fait avec des étincelles partout. C'était magnifique. On va faire mieux. Hein. C'est artistique. Ce soir, on fait des choses artistiques. Euh, voilà. Voilà. Euh... Oula alors attention tu vas t'amuser avec le deuxième X-chant. Non regarde Parfait J'ai de la place euh... D'ailleurs je communique en software I2C, car l'I2C de l'Arduino est utilisé pour la communication avec l'IA, ça marche bien d'utiliser le capteur un. ou une carte préférée. Un de... Ah, vous parlez entre vous. Euh... Software warrior, je l'ai jamais utilisé. J'ai toujours euh, voulu utiliser le, le hardware. Euh, mais écoute, si ça fonctionne, euh, si ça fonctionne, c'est bien. Il hein n'y a pas de raison. C'est juste que je pense que tu n'atteindras pas les mêmes vitesses que si tu utilisais le hardware. Mais, euh, mais en vrai, euh, ça dépend ce que ta carte elle a à gérer quoi. C'est toujours pareil. Nickel, peut-être, peut Je ne sais pas qu'on aurait fini. Alors, on a fini. Et hop, la magie maintenant. Oh, j'adore. GND. Hop. Ouais, oh, c'est trop facile. Voilà. GND. Ah non? J'ai raisonné? Non. Non, ça marche pas. G. G. M. D. Voilà. Oui! Parfait. C'est bon. Bisous, bonne nuit. <laughs> ah, j'adore ça. Il y a des cartes que j'ai routées. C'était tellement merdique! J'ai même routé l'alimentation carrément euh, avec des plages comme ça, avec euh, le 5V, le 24 avec des gros polygones. Oh, c'était tellement un plaisir <laughs> La simplification du circuit. Bon, ça c'est pas ouf. Il euh, n'y a rien qui passe, enfin bon. Euh, voilà, c'est pas comme si... Mais... Pourquoi ça passe pas Ah bah ben oui, mais c'est à cause de ce merdier. Il ne va, il va jamais y avoir de trou là. Ah, puis je peux pas le supprimer, c'est sur le modèle. Ah oh merde, ça marche bien, j'utilise une mini carte sur laquelle est monté le capteur, et il y a plusieurs raisons, check les erreurs, on ne sait jamais... Ah oui, 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 euh, euh, oui check les erreurs en I2C1, c'est pareil, hein, nous euh, on avait des erreurs, on ne savait pas d'où ça venait, euh, Enfin on, on l'a fait et c'est quand même vachement mieux. Notre carte anime est 100% polygone, ah ouais, bah, moi j'en ai, ai une aussi, c'est trop drôle, c'était des paquets de polygones. Et, et j'ai franchement c'est la carte où je me suis plus amusé à router c'était vraiment très drôle ah oui tu avais une carte pression à faire king parce qu'il paraît que en fait euh, le courant ça ne marche pas sur les pompes j'ai quand même bien envie d'essayer cette histoire de courant euh... Euh, par contre, l'isolation est très faible, je trouve. Alors, ça va aller pour mon fournisseur. Ça va moins aller si je veux la prototyper euh... moi-même. Euh... Le spacing est à 50, l'isolate il est à 0. Ah, attendez, on va regarder le DRC parce que j'ai un, un petit doute là. Euh, 6000 distance, ça, ça c'est ok. Alors, regardez, vite fait. Euh, alors de mémoire, c'est de... Oh, je sais jamais... Donc, on y est, check les erreurs du PCB. Ah oui, euh, sur le DRC Oui. Ah oui, tiens. Ouais, je voulais pas faire ça tout de suite, mais parce que là, il y, y a un truc qui me, qui me dérange. C est, c est, cette isolation, elle n'est pas, pas suffisante. Euh, et j'ai un vieux doute. Faut vraiment que je vais m'habitue à, à cliquer au milieu sous Windows euh, qu'est-ce que je voulais faire c'est mon 6000 je sais jamais je sais jamais où c'est ça c'est vraiment euh, vraiment un problème si je veux augmenter cette distance là cette distance là je ne sais plus où c'est je sais plus si c'est dans les options de polygone et euh, c'est lié à l'isolate il me semble que c'est ça. Et alors là du coup, normalement, je fais ça. Isolate. Je le passe à 10. Ça change quelque chose. Ça a changé? Oui, ça a changé. Parfait. Voilà. Euh, et donc du coup. Elle est à 16 Ah oui. Voilà, Et isolate à 16. Ah, ok, d'accord, c'est l'isolate. J'ai toujours un vieux doute sur l'isolate. Qu'est-ce que ça veut dire dans distance, dans les rôles euh... Ah, bah non, du coup, je l'ai fait autrement. Euh... Dans Polygon, tu as ce paramètre-là, isolate. Et du coup, je l'ai mis, mis là-dedans. Parce que si jamais je le change dans le DRC, euh, ici, euh, les distances, c'est ce que j'étais en train de faire. Et en fait, non. Si je le change là-dedans. Et que je le mets en plus gros, ce qui va se passer c'est qu'il y a certaines pistes qui sont très proches et il va me dire euh, dans le DRC qu'il y aura un problème, alors qu'en fait, ça, ça marche. Ça cheat. Mais non, ça cheat pas. C'est deux paramètres différents. <laughs> La truanderie. Euh... Top. Bah c'est bien là. Là c'est pas mal. Hein. Oh, J'aimerais bien savoir si mon, mon logiciel pour ma, ma fraiseuse, il, euh, il le ferait, ça. On va, je vais l'installer. Je ne l'ai pas installé sur mon nouveau PC. Non. Ça manque de logo. Ouais. Je suis pas très, très bon. D'accord. Mon choix qui est en train de faire un mauvais rêve. Tout va bien. Euh, je ne suis pas très très bon sur les logos sur Eagle. Est-ce qu'on est, qu est d'accord pour dire que le, le générateur de, de la gestion des logos, des PCB, des, des JPEG, des BMP, de tout ce qu'on veut euh, pour mettre des incrustes sur Eagle, c'est de la merde. Juste, voilà, on est entre nous là. Est-ce euh, euh, qu'on est, est, qu est d'accord avec ça Oui, numéro de version, oui, je vais quand même le mettre. Ah, il faut quand même que je mette les caribous, un petit numéro de version, une année, tout ça, tout ça mais euh, pas ouf mais ça passe ouais, moi je trouve que c'est c'est vraiment très limite c'est vraiment très limite toi de enfin, franchement c'est même pas que je dis que c'est limite je pense que c'est même honteux honnêtement euh, parce que c'est vraiment vraiment pour quoi alors je sais pas si ça va changer euh... tout existe déjà sans deck je l'ai installé ah oui ah bah parfait génial euh, moi franchement je le trouve honteux hein. euh, c'est vraiment pas euh, c'est vraiment c'est vraiment un gros, un gros problème je trouve euh, pcb ma balise alors qu'est ce qui me dit bah oui forcément que tu sais pas le faire puisque t'es pas un ah, 64 oh putain tout passe mon dieu excusez moi euh, ouh ça c'est la folie ça, c'est la folie Alors attends tout passe dans un sens mais est-ce que tout passe dans les deux sens Attendez je vais agrandir, ce soit un peu plus sympa pour vous. Euh, part tous mille mille bottom. Ah non il y a quand même un truc qui passe pas. Qu'est-ce qui passe pas C'est oh, sérieux On s'en fout de ça. Pourquoi tu sais pas le faire Attendez. C'est du côté des LED. Euh... Alors si je passe en bottom, où est-ce que c'est Bah, pourquoi tu passes pas Explique-moi. C'est quoi C'est la piste qui passe. Attendez, bottom. aussi de sur Kika et Altium. Attends, mais attendez, mais c'est fou, ça peut en fait, le logo d'Area, l'année dernière, j'en ai chié, mais c'était classe. Bah ouais oui, oui c'est vrai que c'était beau, là, sur vos cartes, mais mais c'était... Mais, mais moi, à chaque fois, je, je m'arrache les cheveux quand je veux mettre un logo dessus. C'est pour ça, en fait, que j'en mets plus. Maintenant, je mets des logos, je, genre, je mets juste une police. Ça, ça parce que sinon... Altium, j'aime bien. Par contre, j'ai jamais eu de soucis, ça fonctionne bien, quand même. Sur Altium ou sur Eagle, t'as jamais eu de soucis Putain, est-ce que je, où est-ce qu'elle est, est Attendez, là j'ai, ça c'est le dessus. Euh... Ah ouais, c'est là. Et eh ben alors, qu'est-ce qui ne va pas Ah bah merci, merci beaucoup. Ah bah j'aime bien travailler sur un timbre poste. Ça m'éclaire si les idées. Putain. Ok, c'est l'isolation. Je sais pas pourquoi il veut pas le faire. Bon après il va le faire quand même, mais euh... euh, ah, je suis perdu. On va essayer de lui demander de... Uh, clearance, custom, 0.15, et eh ben, fais-moi plus. Uh, fais-moi du 0.30, s'il te plaît, pour essayer. Use the tile to everywhere. Non, il veut pas, il veut pas passer. C'est très frustrant. Oh, si tu en fais un par semaine avec une bonne procédure. <laughs> voilà. Tiens, genre, euh, c'est plus difficile de foutre un, un circuit que de, euh, de... c'est plus facile de faire un circuit que de mettre un, un logo quoi. C'est mon sujet de travail dans mon labo à l'école. <laughs> avec le script load, le BMP, ça fait tout tout seul si le logo est bien en noir et blanc. Regardez. Ah oui. Ah là 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 t'as du tellement de te faire chier, mec. Enfin, si ton script qui fonctionne bien, c'est cool. Hein. C'est beau en tout cas. C'est beau. Euh, pendant que. Pendant qu'on cause de ça et que je joue avec Bantam, en fait... Euh, euh, en fait c'est con ce que je suis en train de faire parce qu'en fait comme mes trous sont pas métallisés, euh, j'ai pas du tout routé comme si j'allais faire un truc avec des trous non métallisés. Donc en gros euh, bah, par exemple ça je peux pas le souder. Enfin euh, il y a plein de trucs que je pourrais pas souder quoi en fait. Donc c'est débile ce que j'ai fait. Mais bon c'est rigolo quand même euh, de se dire que on pourrait le... je pourrais finalement, euh, si j'avais routé ça un peu plus intelligemment, euh, le faire avec mon... avec ma machine. Puis surtout là, euh, les pastilles, elles sont trop trop fines. Ça va pas passer ça. Donc il faudrait que je modifie le composant, tout ça. C'est pas grave. Ça me prend une minute. Ok. Bah tiens, euh... ça fait longtemps que je l'ai pas fait. Alors, comment on fait déjà vous utilisez import bitmap ou vous le faites autrement avec un script tant qu'on y est. Yep, allez, un bit. Alors, déjà, franchement, <laughs> ça, ça là, ça c'est un peu l'enfer. Nope, ah. Ah, donc pas avec euh, pas avec ça. Pas ça. D'accord. <laughs> OK. Exécute script run ulp. Run ulp, OK, allons-y. Run ulp. Ensuite. Alixixi, va se coucher, oh, la fin, une bonne nuit. Salut Xixi. Bonne nuit à toi. Alors Renu LP, alors pardon, du coup je, je me suis converti à quand je exporté mes mon dieu mon dieu mon dieu ils en ont rajouté depuis, euh, depuis un petit moment là je vais jamais là-dedans il oui, y a l'air d'avoir des trucs vraiment cool, il faudrait que j'aille plus souvent là-dedans. C'est marrant ça. Ah import BMP, import DXF, Import Gerber, tout ça, tout ça, tout ça. Import bitmap image drawing issue image script file ah non c'est bien import bitmap ça fait un moment que je l'ai pas fait ah bon d'accord ben allons-y <laughs> import bitmap ok euh... ah oui mais alors attendez est-ce que j'ai un bitmap euh... ah non pas la machinerie <laughs> communication logo euh, attendez, ça c'est la blague. J'ai peut-être que des, des formats. Euh, euh, import BMP c'est la même. Ouais, mais je crois que j'ai pas le format BMP de mon logo. J'ai les au format vectoriel que je peux pas ouvrir avec Windows, ça se trouve. Escape Import BMP c'est le bitmap. Ouais. Ah bon, euh, ok. Ok, okay d'accord. Attendez. J'arrive, je check. Bah si. J'ai un K. Beau ça. Ah, c'est un PNG. Ah oh, mon Dieu. Si je le modifie. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Je ne suis pas dans Mac. Enregistré sous. BMP. Bitmap monochrome, ça m'a l'air bien, ça. Euh, on va le remettre au même endroit. Communication logo, cas simple. Toute transparence sera perdue. Euh, oui. Enregistrement va affecter la couleur. Oui, parce que c'est du monochrome. Ah, c'est devenu blanc. Ah bah super. Merci beaucoup. Mais putain. Oh non, mais tu es moi sérieux, mais... C'est pas vrai. t'as me rendez-vous à mon Mac. Pas sans cesse, oui. Enregistré sous. Monochrome. Ah bah oui, bah c'est monochrome tout blanc. Ah bah merci beaucoup. Ça va beaucoup m'aider. Oh, oh mon dieu, c'est dégueulasse. Alors attends, qu'est-ce qui passe en cette couleurs Converti en bitmap sur GIMP? Ah mais vous voyez, vous voyez le souci Vous voyez le souci c'est que porter un putain de logo je vais devoir installer. <laughs> je vais devoir installer GIMP. Oh putain Ça passe sur le script pas de choisir la couleur à porter. Ah Ah Super, 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 super. Euh... <laughs> mais sérieux, quoi! <laughs> c'est tellement enfer! Ah, c'est beau! Euh... Quoi? Alors attendez, info! <laughs> ah, Einstein <laughs> Farben Bitmap, très bien! Euh... Non, mais remplir le cas en noir devrait suffire. Que le logo est prêt, pas de souci. On met juste le cas en noir et on n'en parle plus. Oui, non, mais je sais. <laughs> C'est juste que ça fait rire. Scan use color. Ah, trop bien. Regardez. Hop. Et là, si je fais OK. D'accord. Alors là, j'ai dû passer par GIM parce que le logo en plusieurs couleurs. Ah oui. Là, là, est-ce que je fais quelque chose là C'est. Tellement pas. Tellement pas accompagné, quoi. Le, le truc te donne des trucs, des, des machins, tu, tu sais même pas ce que ça a comme impact. Putain, c'est ouf. Choisis le meilleur layer docu. Euh, oui. Tout à fait. To start layer from one. Il est... Ah oui, mais... C'est combien le locu Au pire... Je crois que je suis déjà tombé sur ce lien-là. Ah, alors. Merci. <laughs> C'est vraiment... C'est vraiment un enfer. You need to change to value. T'es obligé de le faire c'est unique je bugs 2 mm bon OK soit. allez faisons ça OK et ensuite le square we use when earlier ah ben bah, j'ai pas resizing du tout euh, mon machin earlier moi mais bon Ah oui square factor ah oui sinon je vais avoir un logo qui va être juste gigantesque en fait euh, voilà. Ensuite, clique OK. Alors, lui, il met sur la couche 200, euh, 52, développé par David Goudineuf. Mais c'est ça. C'est tellement ça. Mauvaise idée le 200. Ah, cancel. Ah bah du coup j'ai. <laughs> cancel. Tout s'arrête. Très bien. Recommence. <laughs> C'est vraiment. Allez, je suis sûr que il m'a rien enregistré comme paramètre par défaut, parce que forcément, sinon ce serait trop drôle. Ah, trop bien. Du coup, il faut pas oublier de tout rechanger systématiquement. Et bah c'était bon. Check le hier avant. Bon. C'est pas faux. C'est pas faux. Oh, bien. Alors attendez, le top ou le bottom euh... Alors le top plutôt parce que c'est celui que je vais voir quand... Bah, en fait, que ce soit le top ou le bottom, je le verrai pas parce que ce sera masqué. Alors du coup, on va le faire sur le top, donc le 51. Plutôt. N'importe. Ou les deux, d'ailleurs, on s'en fout. En fait, on verra ça après. Euh... Tac, tac, tac. Putain <laughs> sérieux. Alors, combien on a dit 51. Ok. Fun script. Allez, on est un fou. On est trop des dingues. Oh, il arrive là. Il est là. Oh, mon dieu. Je peux le... Qu'est-ce que c'est que ça Qu'est-ce que c'est que ça Sérieux <laughs> Oh non <laughs> te blague New Group On va l'appeler Logo ben, Heureusement qu'on peut faire ça maintenant quand même Move Group C'est vraiment... Mais non Mais à quoi ça sert que je groupe un truc C'est horrible. Et du coup... Ah putain, parce que oui, du coup c'est du pixel quoi. Donc il, il fait des... des lignes comme ça, il scanne... Voilà. Oh là là là. Oh là là. Bah voilà c'était pas dit, c'est cancer je sais. Ah mais bah non mais c'est... <laughs> c'est pire que ça. <laughs> Putain, je m'attendais pas à ça. Ah oh, j'avais complètement zappé ça. <laughs> Sérieux quoi. Du coup, attendez, parce que, que je rigole un peu. Ça veut dire que là, mon dessin là. Euh... Si jamais euh, je veux l'agrandir, je peux pas l'agrandir là. faut que je refasse le process. Et plutôt que de mettre 0,1, si je mets 0,02, je suis censé être deux fois plus grand. Allez, vérifions ça. Euh... Juste pour rigoler. Si j'ai bien compris le principe. C'est hein. ça, parce que c'est tellement la précision ce machin. Euh... Ah, ok. On n'a rien vu. Tu dois leur importe Oh là 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 là. Ah ouais. Oh, putain. Ah c'est marrant parce que... Oh <laughs> Mais c'est quoi ce truc mais sérieux? Oh bah c'est pas grave, c'est tout petit, ils oui. verront pas. <laughs> mais <putain>. mais... <laughs> Ah oui mais ah oui puis en plus ça prend plusieurs oh là là. <laughs> C'est vraiment, franchement, c'est vraiment mal foutu. Est-ce que j'ai rien pris d'autre? Voilà. Non, ça va, j'ai pris que ça. Oh là, 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 là Ah oui, putain. Oh là là là, là mais quel enfer. New Group. Logo. K. Okay pour grand. Hop. Ah oui, il rajoute là où il l'importe. Mais pourquoi <laughs> Pourquoi il rajoute ça Les yeux pour voir ce que le légir qui m'intéresse. Ah oui, 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 oui. Ouais, il faut que je, je prenne ce réflexe-là aussi. Bon, c'est, 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 c'est pas fou quand même. Donc là, si je fais ça. Ah non, mais. Ah il m'a pas dit être le bon. Attendez, euh, comment c'est un peu nouveau là les groupes pour moi là sous euh, sous Eagle. Utilisez pour voir ce que les meilleurs settings. Oui, 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 mais... mais euh... ah, attends, inspecteur, non. Où est-ce que je retrouve mes groupes, moi Est-ce que ça, c'est apparu dans une ver dans la version là, il n'y a pas longtemps J'ai trouvé ça génial, je ne l'ai pas utilisé. New group, add to, non, remove from, non. Si je veux Select groupe par exemple pour le bouger, j'ai ça. Move Group. Ah, mais non. Mais qu'est-ce qui se passe Mais qu'est-ce qui se passe, sérieux Si je fais ça, ok, mais. Ok, très bien. Et donc là, si je veux le supprimer, il y a le groupe. Ok. Et donc, non, ça sert à rien, c'est complètement con ce que je fais. Ah mais c'est fou ça. Je peux pas select à tout. Bah non, new group. Oui, merci. Essayez si je veux le re-sélectionner, contrôle, non mais shift, contrôle, shift. Non, contrôle shift, ça marchait pas. Ah. Oh. Mmh. Non. Bah alors c'est vraiment génial je suis vraiment fatigué parce que bah ouais mais, mais du coup c'est faut, faut qu'on arrive à trouver comment ça fonctionne les groupes parce que c'est quand même... ça m'a l'air quand même vachement plus puissant qu'avant c'est tu définis un groupe Donc ça c'est vachement cool tu lui donnes un nom tu peux le bouger euh... Euh, si tu as plusieurs composants sur un même. Enfin, ça, 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 a ça a l'air vachement plus puissant que les views. Mais du coup. Euh... Où est-ce que ça devient être Help! Move tip, out to, move non, mais ça, c'est des trucs de 2013, 2018, c'est beaucoup plus récent. Can't move group, move group. Ah mais non mais, c'est pas vraiment ça que je veux faire. Bah ouais, ça existait pas avant, ça a été ajouté sur la la 9.5 de mémoire. Next. Eh hey Je sais pas ce que c'est, mais c'est rigolo. C'est next dans le groupe Bon, je fais n'importe quoi oh Quel il Allez ah, minuit 5. Oui bah je comprends pourquoi je fais n'importe quoi. <laughs> Mais c'est tellement l'enfer. Tellement bon bah vous savez quoi Je l'ai très bien placé ce cas. Il est nickel. <laughs> On ne le bouge plus <laughs> bon, Il reste toujours la possibilité de faire ça et après de faire ça et alors du coup bah à quoi ça sert je vais quand même me renseigner sur les groupes parce que c'était ça ça m'a ça quand même l'air bien 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 puissant c'est pareil, le design manager, ça fait quelques temps qu'ils ont commencé à, à le rajouter. J'ai pas du tout eu l'habitude de l'utiliser. Euh, c'est vraiment nouveau pour moi aussi, ça. Euh, en tout cas, j'ai pas fait assez de cartes pour en avoir vraiment besoin. Euh... Barbatrugo 19. Ouais, elle se fâche pas. À minuit, là. J'ai je... une semaine assez mouvementée déjà. Je crois que. L'import de, de BMP m'a tué quoi. <laughs> Je vais en refaire un, un t-shirt avec un, un aigle comme ça, tout bourré. L'import de BMP m'a tué. Et c'est vachement plus long maintenant de pousser de Eagle à Fusion, j'ai l'impression. C'est fou. Ça prend énormément de temps. Ou alors c'est mon réseau. Bah non, quand même pas quoi. Quand même pas. Allez Allez et Par contre, j'ai ça qui tourne en même temps et qui va me pomper mes ressources. Ah ouais, parce que Bantam, il est bien, mais alors, par contre, qu'est-ce qu'il bouffe comme ressources C'est horrible. Il est codé, mais n'importe quoi. Prends une pause, on va faire un même. <laughs> comme ça. Oh C'est pas gentil, ça C'est oh. c'est dur là. Hein. C'est dur. Et voilà. <laughs> ah, pourquoi ça prend several minutes C'est très long, là, les enfants. Ah, voilà. fraîche. <laughs> Version 31. C'était censé être un projet simple et rapide, d'un truc qui fonctionne déjà, mais en fait, rien n'est simple, rien n'est rapide. Rien ne fonctionne déjà. Oh, mais alors, en plus, on a fait tout ça pour se rendre compte que le salescreen du top docu n'est pas affiché sous fusion. Bah, merci. Voilà. <laughs> oh là J'aime. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup. Euh, où est-ce qu'il est, lui Ah oui, je crois que le control, ah ils l'ont <laughs> ils l'ont ça, parce qu'avant l'opacity control faisait rien. C'est drôle. Voilà, bon, euh, en fait en vrai. Euh... Attendez, qu'est-ce que c'est quoi la différence entre 10 et 90 Je vois toujours à travers. <laughs> oh putain. Fast <laughs> ah, fail. <laughs> Non, mais, mais c'est bon, vous avez. Voilà. Le, 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 les logiciels ont décidé de me faire chier ce soir. Qu'est-ce que c'est que ce bordel là bon. Custom Opacity. Bah non, bah écoutez. Euh... Ah oui. Attends, 99 Ça fait D'accord. 95 oui. <laughs> D'accord. Ok, bon, souhaite. Ça ne fait absolument rien. Tu vois toujours la carte à travers. <laughs> c'est un bug d'affichage. Mais c'est pas vrai, quoi. Oh, euh... <laughs> Il est temps d'aller se coucher. Deux heures pour router une carte, ouais, c'est ça. <laughs> Ah, attendez, mais pas pour router. Attends, attends parce qu'on a d'abord fait le schéma et on a refait des trucs derrière et tout ça. Et euh... Non, non, et puis on a vérifié des trucs. Non, router, ça a été très vite. Je pense que si je regarde le live, le routage, il a dû mettre euh, il a dû mettre 5 minutes, même pas. J'ai une question tu détectes comment avec tes steppers si tu as une collision ah bah tu détectes pas. <laughs> T'as as une collision, t'es perdu. C'est vrai. Honnêtement, c'est vrai. Jusqu'à maintenant, sur nos robots. Comme il n'y avait pas d'encodeur, bah, si t'as une collision, euh, c'est mort. Euh, voilà, plus de, plus rien. Vraiment boucle ouverte. Mais c'est pour ça cette année on va, on va, rajouter les, on va rajouter des codeurs euh, en roue folle sur le, code, euh, sur le côté pour euh, détecter les, euh, euh, le fait que le robot ne soit pas arrivé à destination. Donc euh, non, c'est prévu. Mais non, avant c'était, euh, voilà, euh, tu tapes, euh, c'est mort. C'est comment gagner contre vous Ah oui, mais c'est l'anti-jeu, ça, monsieur. Voilà, vous nous tapez, euh, et ben euh, voilà, on peut dire Monsieur l'arbitre, ils nous ont tapé. Et en plus, ça, je l'ai enregistré sur un stream, c'est pas mal. On va pousser, pousser avec un bras. Ça. Ah bon. Ah, si j'étais motivé, je ferais les trous pour les peps. Pour les machins. Ah, euh... oh, est-ce que je peux mettre les, les 3D des... Ah si, ça, 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 ça je peux faire ça. <laughs> C'est dur. Euh, est-ce qu'il y a un 3D de ça Custom, 3D package. Tu peux de quelle fréquence d'actualisation pour un angle donné avec ta tourelle euh... Je sais pas. Je l'ai pas trop réfléchi. En fait, à la base, je, je voulais vraiment juste faire euh, un, un, le, le même truc que ce que je faisais depuis des années, mais en mode un peu plus propre. Euh, mais du coup, je regarderai. Ça sera fonction forcément du cerveau euh, moteur. Euh, parce que je ne pourrais pas aller aussi vite que je veux. Euh, mais, euh, mais bon. Là, je sais pas. Je, je crois que tu n'avais pas mesuré ça sur un live. Euh, genre à quelle fréquence je, je, je tournais. Il me semble que tu avais fait ça sur un live. Retrouver dans un live un euh, modèle. Oh trop bien, je les avais fait. Trop bien. Ah non pas trop bien. Merde. Celui-là. Ah, c'est pas le même, c'est ça Si. Un truc qui fonctionne quoi. Wow. Ah bien! Magnifique! Euh, c'est dégueulasse ça. Ah! Et non! Voilà. Mais c'est pas vrai ça! C'est un peu étrange ce qui se passe. Non, c'est pas le bon boîtier. Oh, c'est pas le bon boîtier, mais c'est tellement pas grave. Ok. Uh, Creating une gueule. Ok ancienne tu étais à 300 millisecondes oui c'est ça tu as raison euh... ouais mais ça veut dire qu'il faut que je change mes composants en fait si je veux euh, prendre un truc avec euh, la 3d il faut que je les remplace et des fois ça se remplace mal bon. non mais là c'est bien je les avais modélisés il y a longtemps donc euh, voilà ça me suffira. De toute façon, en fait, c'est vraiment pour que ça fasse joli, quoi. 3 Hz. Ouais. C'est pas fou, hein. C'est pas fou. Mais bon, ouais, bon pour moi, c'était suffisant. Hein. C'était largement suffisant. Euh, le seul truc, c'est qu'avec un robot qui va vite en face, euh, tu peux pas... Euh estimer sa distance en regardant en fait la largeur de la détection ça c'est le, le souci Donc, juste détecter l'orientation mais encore une fois c'est pas le but de, de la manœuvre. c'est vraiment de faire quelque chose de présenter quelque chose de très simple et de le partager et de d'efficace de, 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 en soi. Ah non, t'es sérieux Il a pas, il a pas fait les trois. Bon, c'est pas grave. ça me permet de le mettre. Et puis après, hop, je dis plus le traiter. Moi, je dis que ça a quand même de la gueule. Hein. Donc, je mette tous les connecteurs. Et, euh... mais c'est pas mal. C'est pas mal. Écoutez, moi, ça me convient parfaitement. Isolate. Ah oui, forcément, And isolate. Voilà. Je fais ça avec le gestionnaire de livres d'Igle. Ah, pour mettre la 3D, tu veux dire Ouais. dedans ben d'ailleurs euh, là j'ai utilisé cela ça veut dire quoi ça veut dire que si je fais ça ah oui mais par contre tu es obligé de le faire en, en web faut que tu updates le modèle 3d et que tu updates la lib dans le pcb ça change tous les composants d'une fois ah oui du coup il faut que j'aille dans la lib ouais faut que je, je l'update dans la lib directement quoi tiens d'ailleurs alors, moi en fait, j'ai trouvé ce truc-là un peu par hasard, là le clic droit, euh, edit 3D package. Mais, euh, mais comment tu y accèdes depuis la lib? Ça, je n'ai pas, pas encore regardé. Si je fais open. Ah, il me porte 3D package? En fait... ouais, mais par exemple, si je veux prendre celui-là, mettons, edit. Ah, bah oui, tout simplement. Trop bien ça! Bien, par contre, la livre de tête de type manager, ouais, mais du coup, ça je peux l'importer, je peux la rendre manage Ah, parce que j'ai pris un truc de merde à côté. Oh, bon, tant pis. un modèle, euh, c'est un Molex 3. Voilà, et donc en théorie, juste ah, dommage. Oh. Oh. Voilà. Parfait. Là, si je fais OK, OK. Là. Ah oui. D'accord. Il fait quoi là, Il me l'a met à jour. Là, il Doing was modified. Là, je fais Library. Create new, new version. Save. oui, oui. Oui, oui Create. D'accord. Là, j'ai une nouvelle version qui va être créée. ok donc en théorie là si je vais sur le 3 ouf. ouais il affiche pas encore je vais le laisser euh, processer et donc du coup là si je vais dans ici librairie update euh, c'était ma connector update ok mmh. ouais bon oui ça vient passer et là, si je fais Push de Fusion, normalement, j'ai beaucoup plus de trucs checkés. Et oui, mes Molex 1.3 sont checkés. Ok. C'est vachement mieux qu'avant, parce qu'avant, modifier une librairie 3D, c'était l'enfer dans Fusion. Et là, ils se sont quand même hyper améliorés. Ah, je suis content. Je suis content. Ça a vraiment me simplifié la vie, en fait. Ah, c'est trop bien, c'est trop trop bien. Ça c'est trop bien. Ça pour le coup, alors je sais pas comment les autres logiciels, genre KiCad, s'en sortent pour les modèles 3D. Mais alors ça c'est vachement bien. Et alors je vais vous montrer un truc aussi, j'ai trouvé vraiment cool. Euh, je sais plus sur une carte, je cherchais euh, un modèle de MOSFET euh, type P. Euh, bah, C'était pour ma carte, pour les, les... Euh, les pompes. Et euh, ils ont rajouté un truc que je trouve vraiment pas trop mal. C'est genre le, les, les composants les plus utilisés. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Par contre, il faut que je tombe sur un. Je ne sais pas, on va, être, on va aller sur RCL par exemple. Voilà. Donc, comme c'est des librairies qui sont partagées, si je vais sur CEU par exemple, voilà, Popularity. Je trouve ça génial. C'est très con, mais en fait, des fois, quand il y a beaucoup de composants dans une librairie, et tu dis, mais attendez, c'est quoi la différence, Hop, tu regardes le plus le populaire, et en général, c'est celui que tu cherches, parce que t'as pas besoin de trucs vraiment très complexes, quoi. Et, euh, et, et je trouve ça. ça c'est bête, mais ça, ça, c'est vraiment bien. Et en général, ceux qui sont populaires, c'est souvent ceux qui sont les mieux documentés et ceux qui sont les mieux dessinés. Donc je trouve ça très très bien. Euh, c'est une bonne idée, ça. Je sais pas ce que ça va donner par la suite, mais c'est une très bonne idée. Ils ont, ouais, ils ont carrément revu le gestionnaire et c'est vraiment vraiment propre quoi là. Euh, je, je, là je suis content parce qu'il il y, y a un moment où j'ai vraiment eu peur que ça devienne une usine à gaz quand ils ont commencé à implémenter le 3D. C'était cool mais c'était mal fait. Enfin, C'est-à-dire que le Eagle c'est un vieux soft aussi donc euh, le temps euh, que qu'il se remette à jour, euh, bah, voilà, il n'y avait, euh, avait pas eu une modification des, des fonctionnalités depuis, euh, un, bah, depuis très longtemps. Euh, et euh, euh, donc il ne fallait pas frustrer euh, ni les gens qui, qui l'utilisent depuis longtemps, euh, ni les nouveaux utilisateurs, donc c'était compliqué, et proposer aussi des nouvelles fonctionnalités. Ah trop bien, j'ai mis le connecteur. D'ailleurs, je viens de voir que là ça va être un peu chaud à ce moment là C'est quoi là? Mais, euh, mais du coup c'est bien qu'ils aient euh, qu'ils aient fait des modifs. Ah <laughs> C'est tellement fait exprès c'était capteur avant et capteur arrière. Du coup les fils ils viennent là. Il y a genre zéro. Euh... Je vais je vais cacher ça. trop bien, ils vont venir là. Ça va être tellement propre. C'était fait exprès Ah c'est très bien ça. Salut King of chouf de le sauvegarder, mais je pense qu'on va arrêter le live là, hein. je pense qu'on a bien euh, on a bien taffé euh, et du coup il faut vraiment que je me penche sur euh, cette version de euh, bah de euh, d'Eagle, parce que euh, parce qu'il y a quand même eu euh, des, euh, des grosses modifs là euh, des, des modifs vraiment chouettes euh, donc euh, donc c'est bien que c'est bien qu y, que je m'y mette un petit peu quoi Allez où On sauvegarde. Euh, on pousse. Alors par contre, euh, toc. Hop, hop, hop. Tac. Je n'en veux pas. Je n'en veux pas. Euh... Voilà. Je viendrai t'aider au prochain. <laughs> Avec plaisir. Avec plaisir. C'était cool. Parce que sinon, il y a des trucs que honnêtement, j'aurais été bloqué, genre là sur l'image et tout ça. C'était chiant. Et puis, euh, plein de petits trucs. Non, mais on a appris des choses, euh, tous, je pense. Et puis, euh... puis c'était chouette. C'était chouette. Bon, impeccable. Ben bah écoutez, euh, ouais, bon, on va s'arrêter là. Euh, bah merci d'avoir suivi ce, ce live euh, qui est un peu plus long que d'habitude, mais euh, ça en ça valait le coup. Du coup, là, euh, la carte électronique elle est terminée. Je vais rajouter les petites indications euh, type texte euh, autour, mais euh, grosso modo, euh, on, est, euh, on est vraiment pas loin. Euh, je vais vous souhaiter une excellente nuit euh, et puis je vais, euh, je vais aussi euh, vous. Que vous pouvez me suivre euh, sur Twitter donc il y a les, les petites références ici là euh, sur Twitch sur YouTube sur Twitter ce live là il est enregistré je vais le mettre sur YouTube donc vous pourrez le revoir euh, par la suite sans problème euh, le prochain live je ne sais pas quand est-ce qu'il aura lieu euh, ce sera très certainement soit lundi soit mardi prochain peut-être même plus mardi prochain. Qu'est-ce qu'on y fera Eh ben écoutez, soit j'arrive à réussir, je, je réussis à découper les pièces au laser, et dans ce cas-là on fera un montage de la balise, euh, soit euh, ben on fera autre chose. Il y a du taf dans tous les cas, euh, donc euh, on, pourra, euh, on pourra faire pas mal de trucs. J'irai faire un même, t'inquiète. <laughs> euh, donc il y a plein de trucs à faire euh, là on a pas mal bossé sur la euh, sur la coupe il euh, faudra revenir aussi un peu sur la Maker Fight parce que la Maker Fight ça arrive quand même vachement plus vite que la coupe et, euh, et autant sur la coupe on a déjà des robots qui sont fonctionnels autant sur la Maker Fight bah, on, on commence aussi un petit peu de zéro donc il y a un peu de taf donc pas de soucis il y aura du boulot euh, écoutez bonne, euh, et bonne soirée, bonne nuit à vous tous et à très bientôt euh, sur Twitch. Salut